30 minutes, je vais dire, ben, c'est l'Halloween. On va faire mon top 3 des films québécois d'horreur. Puis y en a pas des, des temps. De ça, pis... fait que c'est ça. On va faire comme Cadavre, Brain Freeze, Turbo Kid. Puis comme, je pense, je pense ça peut être intéressant. De ah c'est ce bon, ouais c'est cool. Moi je veux, toutes les raisons sont bonnes de parler. C'est bon Turbo que sur ton autre projet, tu, <laughs> tu mets les, oui, <laughs> les détails de ton entrevue de ton je... autre podcast. Je suis mon propre ennemi, mais c'est un projet. Ah le Vincent, vendu, euh, ça, Vincent ça... écoute <laughs> ouais, Universe. Les <laughs> gens ils <laughs> savent. Là, ils... Oui, absolument. ça là, ce serait après un générique ouais Ouais. <laughs> non mais il y a, tout, il y a des cinématiques univers de toutes hein. là. être nominé aux Oscars ça donne une certaine forme d'ego mais se faire dire ça. Chaque mois bang me faire La première fois que je te une de main, je suis fait genre non je vais Given à ça. Ben, là c est c est c est... des clins d'œil de toutes mes cochonneries partout. Une fois j'étais à un party de fête puis y a quelqu'un qui a fait un graphique sur un mur pour dire que tous les films se passaient dans le même univers puis je suis comme j'ai pas ce temps là m'excuse ». Ouais mais des non, fois c'est ouais c'est vraiment une affaire de party. Oui. Genre, genre manier quelqu'un qui passe sur une chire puis là. Le il se met à tout expliquer une théorie tu sais si tout est dans le même univers puis tu fais ouais j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça fait <laughs> longtemps que j'ai pas fait du speed donc euh, je peux peut-être pas comprendre ah ouais c'est ouais. pas, pas moi, personnellement sur le speed c'est pas ça que je ferais ok je danserais oui je euh, <laughs> sais pas j'irais dans le même rave non, que Blade Je 1. pensais pensait pas qu'on allait <laughs> parler de, de, de speed mais non moi la, la seule fois j'en ai fait, ouais grosse coupe <laughs> J'ai fait Les des gens. <laughs> mais non, j'en ai fait une fois. C'était vraiment un drôle contexte. Puis le gars qui m'a donné du speed, c'est toujours le gars qui s'attend le moins. Parce que c'est toujours. Moi, c la foi, c'était ça, fait que 100% du temps. Mm. C'est le gars qui t'attend le moins. C'est un journaliste, genre à Cogéco, là. Tu sais. content que je de la com, évidemment. Je pense que nous deux, on n'est pas surpris. Là. Tout ce que en tu cas, dis tu du <laughs> <Okay>, mais En <laughs> tout cas, mais super fin, super à son affaire. Le gars est quand même assez sérieux. Puis là, lui, il nous sort ça, puis un gros sac, plein de, plein de speed. Puis on est genre, t'as donc bien. Tu » sais. puis là, il nous en donne des petits, des, des petits affaires. Là. Je ne sais pas trop quelle, ça représente quelle quantité, mais j'ai pas, pas dormi de la nuit évidemment c'est un chalet le party je veux de la com pis je suis pas fâché ouais, je voulais pas que ça te ouais, choque hum. ce que tout ce qu'on a fait au final au début on était bien énervé on y avec le monde puis ça a juste fini qu'on a brainstormé un show de radio du matin pendant genre 6 heures de temps moi puis l'autre gars mais tu sais un peu en joke ça s'appelait euh, Bing Bang Matin genre ça reste un hostile brainstorming. Ben oui. <laughs> en tout cas, c'était juste comme. Tu euh, peux pas croire que ça a pris 6 heures ben matin. j'aime C'est comme le, vraiment éveillé. là. Genre. Oui, oui, c'est. Je peux pas me rappeler de tout, mais je me rappelle que genre tout le monde était couché, puis il y a du monde qui se réveillait même pour partir à Montréal, puis on était encore là, puis on leur faisait des extraits du show de matinale. <laughs> puis devait être genre. Non. J'aime ouais. le gars de Cogéco. Les années parties. Était... Les années folles. Que an, mais... <laughs> okay, ça euh... aurait pu. Mais c'est comme si tu prenais, je pense que c'était un peu ça, on se dit tu prends un show du retour, puis tu le mets le matin. Le matin c'est fucking hyper, là, tout la radio puis ils arrêtent pas. Là. Genre, ils rient à tout, ils font des joys, ils ont des sound effects non-stop. c'est comme Bang Bang matin on vous réveille! Pis... Weenie and the bot oh, Ouais, c'était comme je <laughs> euh, vous le raconte, c'est vraiment pourri cette anecdote-là, mais. C'est fait. Non, non, non. Ouais, moi, je donne un minimum 7 sur 10 à cette anecdote. C'est très Oui, oui, absolument. C'est bien négatif envers les gens avec lesquels je vais m'entretenir. Mais sache que, genre, moi, moi, pour les brainstorms, je ferais aller au bat, là, mais... Oui, mais tu sais, gâter un brainstorm dans un chalet, là, Est-ce Est que ça méritait d'être parlé de ça ici? Ben, Peut-être pas, les, mais... les Jeux de la com, man. C'est ça que ça fait, les Jeux vie. de la com. Ouais, ouais. écoute, on peut se faire un genre là-dessus. J'étais <laughs> dans un film de Lucam pour les Jeux de la com un film ouais ben, ben c'était plus une bande annonce là mais en tout cas c'est ça ah a... ben ça se peut ben il y a toujours les vidéos de délégation chaque année pour présenter ta délégation ouais. l'équipe vidéo de la, la compétition vidéo fait un, une vidéo de présentation de tout le monde tu sais mm. puis ça devient bien, euh, à chaque année c'est comme tu veux faire la vidéo le plus nice c'est ouais. très compétitif des égaux d'étudiants qui veulent montrer qu'ils sont qu sont bons ouais, c'est très lucide <laughs> ben oui puis il y en a des super bons, mais l'année, c'est juste devenu un peu n'importe quoi, là, tu sais. Mm -hmm. Les premières années, c'était vraiment comme, ah, des portraits de chaque équipe, un peu cool, il y a un concept, parfait, tu sais. Puis l'année, il y a eu une année, un de mes amis avait fait, puis c'était comme tout en japonais. Oui. c'était Ukamo, puis là, c'était comme, euh, comme il était au, au, à Tokyo dans le futur. C'était ah. vraiment flyé, mais c'était full réussi, là, à faire, tu sais. Ils fait approcher par VAC TV, ah. puis développer euh, une petite série, ça n'a jamais vu le jour, mais... Genre, c'était vraiment hot, puis après ça, c'est juste devenu des concepts de plus en plus incompréhensibles. Là, s'il y a des symboles de genre, OK, ça c'est la gang de l'épreuve radio, mais on ne peut jamais catcher ça. C'est pas genre il y a une radio dans le plan, c'est genre. Ils ont modifié sa voix, puis en tout cas, c'est rendu tellement bizarre. Dans le jeu de la com Universe, on comprend. Dans le jeu de la com Cinematic Universe, tout est là, par contre. Mais tu vois, moi, je je catche plus. Je comprends plus rien. C'était avant toi, en plus, c'est Rick Chalut qui m'avait ramassé là-dedans. Je sais pas si tu l'as connu. Il était initiateur quand je suis rentré. C'est très son genre, je sais pas, ben, pas, pas si on l'aime. Tout le monde passe vu. par... Je... Je... Moi, je connais pas, fait que... All right, il aimait bien être sous, puis les initiations, puis ouais, euh, bah, donner des becs aux damoiselles. Cam, joue de la com, initiation. Ben, hein. c'est <laughs> ça. C est, c est, vous, êtes, vous êtes, ben, vous savez ce qu'on dit, moins pire que Miguel. Fait que, c'est ça. Sur ces belles paroles... Sur ça, tout un intro. Oui, c'est Hey, salut tout le monde, bienvenue à rouler mais pas sur l'or, un podcast sur l'autoproduction, qui est aussi un documentaire de temps en temps, puis tu sais, si j'ai d'autres idées de médias. On va le faire. Donc, euh, je suis maintenant Les euh, je commence à le savoir depuis un certain temps, et on va s'entretenir avec quelqu'un que j'admire, euh, qui a une démarche d'autoproduction qui fait, ma foi, du colis de bon sang. Alors, euh, aujourd'hui, on reçoit notre premier réalisateur, je trouve ça le fun de sortir de l'humour, euh, quelqu'un qui euh, travaille pour vrai, en fait, m'a commencé à dire ça, avec des vrais risques, un paquet de choses, qui fait des films, euh, qui, <laughs> en, qui en fait des choses. Qui reçu qui pas pour vrai? Ah, personne, fuck you, baby man. <laughs> Dans le néant, ah, man! Tu fab... Fais... Voyons aussi, je l'aime fort, il m'a fait broyer dans son épisode en plus, mais en tout cas, bref, je suis surtout content de te recevoir. Alec Pronovo, réalisateur, comment ça va? Ben, ça va bien, merci de m'accueillir. C'est bon c'est bon que tu dises que je travaille pour vrai. On dirait que ça me rend legit. Est ben, je, pensais, je pensais pas spoiler ça tout de suite, mais je t'ai reçu dans un autre de mes projets qu'on aime, puis ça se passe tout le temps bien. Mais je suis je... Ben, un, un personnage récurrent du Vincent des Coteaux Oui, de oui, 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 absolument. <laughs> T'es es, es mon Tony Stark. Ouais, rien, rien de moins. Dramatiquement, moins bien payé, par contre. Euh... Oui, mais j'ai signé un contrat de 7 apparitions. Okay. Oui, allez, voilà. Mais euh, j'aime toujours te présenter comme quelqu'un qui travaille pour vrai juste pour le fait que, une année, tu as mis 16 000 de ta poche dans un film. Ouais. <laughs> ouais. Mais oui. Mais oui, j'ai aucun regret, en fait. J'ai dit ça comme si j'étais gêné de ça, mais j'ai aucun regret. Non, je, je, Au je, contraire. Je, je, C'est tout à ton honneur qui plus est, mais ça t'élève au, au rang de métier. Donc, merci, euh... merci. C'est ça, j'ai pas honte, en fait, je, je me vante. Ah, oui. 16 000 dans mon film. Ben, tu l'as remboursé, fait que, euh... ben, de, ouais, Pas directement, mais oui. Non, non, un coup <laughs> de, de, de petits contrat. Mais euh, parle-nous de toi, Alec. En fait, euh, c'est ça, tu es un jeune réalisateur. Tu viens de sortir ton, ton premier long-métrage. Mais oui. tu as aussi un beau parcours d'autoproduction. Et euh, je te lance. OK. Euh, ben euh, salut tout le monde. Euh, ben oui, Alec vous. Euh, récemment, j'ai eu 28 ans. Euh, Bonne fête, merci. Euh, récemment low, sais... là. Non, mais il y a deux... C'est récemment en Deux, mars. trois. Il y a un okay, mot. Okay, 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 mot. Okay, J'étire je... je... un peu les bonnes fêtes. Là. Je vais à la pêche aux bonnes fêtes. Mais... Mm -hmm. euh... Ouais, c'est ça, j'ai fait. Je... je suis vraiment en poche, en fait, pour me, me présenter. Mais oui, je... je suis réalisateur, scénariste et parfois producteur. Puis euh... C'est ça, j'ai fait plusieurs courts-métrages. Je me situe principalement dans la comédie. Mm -hmm. C'est... Euh... Évidemment, le cinéma, tout ça, c'est le médium que je préfère. La comédie, c'est quelque chose que j'adore, qui fait partie de ma vie depuis, euh, depuis que j'étais un, un petit bambin. Puis euh, j'ai toujours fait des... Tout ça vient du fait que j'ai toujours fait des, des films avec mes amis euh, la fin de semaine, à partir de quand j'avais comme 11-12 ans. J'ai jamais arrêté. C'est juste la continuité de l'affaire que j'aimais le plus faire dans, dans la vie. donc euh, Et là, c'est devenu mon métier. C'est devenu le euh, J'essaie toujours de ramener ça. Je pense, mais je pense que c'est un peu ça, au final aussi, là, quand hum. on a des des passions, mais d'essayer de toujours retrouver cette même flamme-là, cette même vibe-là qui m'a fait tomber en amour avec ce métier-là et ce médium-là, c'est-à-dire mmh. filmer des, des niaiseries avec des amis et la collaboration. C'est pas de collaboration. Bref, je suis parti sur une chair, mais c'est moi. Elle était charmante. Re-enchantée. J'ai goûté à demander si tu as déjà gagné le Festifilm. C'est quoi, le Festifilm? Ah, c'est si bol, me tu fais dire? Même ça existe plus vu qu'on ne sait plus parce que la porte-parole, ça a été Jeff Harrison pendant longtemps, fait ils ont peut-être pris un break. Ah, mais c'est euh, Ben, c'était en fait c était, c était une compétition de courts métrage euh, de niveau secondaire. Okay. Donc il approchait toutes les écoles, en fait. Puis je sais que tu viens d'une vraie ville aussi, donc oui, normalement oui, il aurait couvert ton école. Ben, moi j'étais à l'École d'éducation internationale de McMasterville. Oh en banlieue de Montréal, l'un de Belie. McMasterville, c'est une toute petite ville. Tu es un étudiant international? Oui, euh, ben je veux pas me vanter, mais c'est l'école secondaire numéro un au Québec. L école publique. Ah, félicitations. <laughs> J'ai euh, je... Merci, mais oui, il nous disait, euh, écoute, j'étais bien fier. Là. Puis des fois, là, il nous amenait tout dans l'auditorium, puis il disait Vous êtes l'élite du Québec Puis là, tu regardes autour de toi et tu fais Non, non. non c'est pas vrai ça. Non, non, mais c'est la polyvalente des chutes à Rodin. Ah non, on a deux, trois pas pire. <laughs> ouais, c est, c est ça. <laughs> Non, non, tu regardes le gars, écoute, eh hey, Jean-Sébastien, pas, pas l'élite ouais. oh, hein. toi. Il y a des années qui sortent Le monde de l'ICORD <laughs> 2010, vous savez de quel Jean-Sébastien je parle. Ah, c'est <laughs> long Enfin, c'est un vrai gars, mais je, rien, rien, ah, rien contre toi, JS. Je parle pour toi, fuck you, JS. <laughs> mais parlons de production, en fait, parce que ben, c'est fascinant, en fait, parce que avant, je pense qu'en ce moment, tu fais ce qu'on pourrait appeler tes affaires. Euh, je t'ai ouais, ben, d'abord connu, en fait, ben, partiellement, en fait, mais tu fais, entre autres, tes affaires, en fait, en ce ouais, moment. On Ça dire, que je fais aussi mes affaires. Oui, oui, <laughs> ça arrive d'être produit, ça arrive d'être subventionné. Félicitations pour ça aussi. Euh, on t'a connu à un certain moment euh, comme pas mal le go-to gars pour filmer des capsules humoristiques quand t'étais humoriste. C'était quelque chose qui arrivait souvent. Ben, C'est cool. J'étais content. De... Mais c'était un peu sur mon plan de match en fait aussi. Mm -hmm. C'était pas euh, c'était pas anodin. Oui. Parce que en fait ça je suis sorti de de, de, de l'ucam en cinéma puis tout ça puis j'ai fait mon premier court-métrage puis c'était un peu à travers ça un auto produit. Oui. Euh, qui s'appelait Richard Superstar. puis j'avais écrit à plusieurs humoristes pour être un peu le lead, parce que c'était une comédie, puis je voulais un peu m'amuser, puis je voulais... J'ai toujours aimé l'humour, puis j'ai toujours suivi le milieu de l'humour puis du stand-up, mm -hmm. puis je voulais comme avoir une entrée là-dedans. Oui. Fait que la première personne à qui j'avais écrit pour euh, ce rôle-là, qui était comme un coach de tennis pour jeunes dans une ville qui était un peu euh, désabusée, euh, j'avais écrit à Mac Gervais. Mm -hmm. Puis je me disais ah, « ça c'est cool, c'est Mac Gervais. Ah, » C'est genre, mettons, moi, comme fan d'humour, un court-métrage avec Mac Gervais de genre-là, ça me plaît. Donc... Mettons, puis tu avais écrit, finalement, il était. Je pense qu'il a en Europe, je sais pas trop, ça marchait pas. C'est super. C'est pas que j'ai écrit à comme plein de monde. Ok. Euh, je m'étais fait une liste. Écoute, j'ai passé de. Je suis traumatisé d'apprendre que David Bocage, c'était pas ton premier choix. Non, David Bocage, <laughs> c'était mon premier choix pour euh, le rôle de Didier longue Oui. Qui est horrible nom mais Didier ça marche longue épée quelque chose que tu choisis là en poste là, genre, ouais ça ça tu, défier, f... longue épée. <laughs> Faut tu choisis qu'est-ce que si tu décides de réfléchir ouais, ouais. en entendant deux c'est ça mais non David Bocas ça, ça a toujours été mon choix pour ce rôle-là ça, lui ça a marché rapidement mais après ça j'avais écrit comme écoute j'ai écrit j'ai écrit à Jude Stamp que je connaissais du cégep mm -hmm. j'ai écrit j'ai écrit à Alex Roof oh my god est-ce que c'est une bonne affaire que ça n'a pas été lu, je pense. Je suis pas sûr que c'est un comédien. Mais <laughs> je me disais il y de quoi de. original de le prendre, tu sais. Je, avec Ricky, je suis pas sûr que... Mais je, je, je lançais des perches, puis je me disais on verra. S'il ouais, y avait du monde des de, de gens qui étudiaient en com que je connaissais, que je trouvais qu'il y avait des vibes, le fun. Mm -hmm. Puis ça passe. À m'amener à la fin, là, le DOP me disait, fais-le don tout Moi, je ne veux pas jouer, je veux pas. Hein? Puis finalement, ça a été uh, Gab Dalmeda qui, uh, qui a accepté. Mm. Euh, qui n'allait pas avait une meilleure réputation que maintenant, mais oui. euh, <laughs> <laughs> en tout cas, bref. Il, il était super engageable pendant très longtemps. Oui, oui oui oui, il était très engagé pendant un bout. Et, euh, en tout cas, puis ça, ça, ça a été comme une porte d'entrée, j'avais fait un film à l'école aussi avec Julien qui à l'époque aussi était très engageable. Puis, euh, vous savez de quel Julien qu'on parle, OK <laughs> Poulin. <laughs> oui, Julien Poulin, mon ami d'impro. Oui. Je... <laughs> Puis en tout cas, fait que ça a fait que de faire gueule, un gars, j'ai fait un autre sketch pour Bocage, après ça, un sketch pour Julien. Puis même, j'en montais des fois. Je disais, ah, je peux monter aussi. Hein? Pour euh, le projet de Yannick et Julien, les, qui s'appelait « Les Comédiens avant de devenir les prodiges. Oui. Qui était rasé par un gars que je connaissais. J'avais dit, moi, je peux le monter. Puis tu sais, je voulais comme juste être un nom qui est tout le temps d'un générique pour que le monde fasse qui ça. Il est bien impliqué dans mm -hmm. tout. Tu sais. Oui, oui. Puis ça a fait ça, finalement. C'était cool. Ça, mais à un moment donné, c'est devenu comme, ah, je fais juste. Vite, ça a vite parti en, pas en couille, c'était positif. J'ai fait des trucs avec Rosalie, j'ai fait des. Arnaud Soli commençait, j'ai fait des sketchs avec. Fait que toute cette vague-là de l'humoriste qui, qui était en pleine ascension. J'ai comme monté avec eux en même temps en travaillant sur leurs affaires. puis En, en apprenant aussi, en développant mon rythme comique, ça a fait qu'en sortant de l'école, un an après de sortir de l'école, mais mm -hmm. ben, je réalisais de la comédie deux fois par semaine. Tu sais, euh, c'était pas du tout payant, mais. Une, je faisais des corpois en parallèle. puis fait, Je me faisais la main à réaliser, à trouver mon rythme, trouver comment j'aime découper, comment j'aime diriger. Mm -hmm. Puis aussi, c'était une belle école au niveau comique parce que tu sais, je suis plein d'énergies comiques différentes. Oui. Puis j'essayais vraiment de pas leur imposer. Je pense que ça, en tout cas, en comédie, surtout quand ça travaille pour un humoriste de ne pas essayer de les, les mettre dans une case que toi tu veux. Oui. C'est de, de les guider un peu dans leur affaire. Ben, ils ont un personnage très défini. Mais ben, souvent, c'est ça. Euh... C'est pas le même genre de direction d'acteur que sur un de tes projets. C'est plus comme les aligner, puis être sûr que le gang marche au maximum dans leur univers à eux. Mm -hmm. Puis euh, mettre tout ça, ça a fait que ça m'a amené un peu à mon deuxième court métrage. De comme ah, là, je fais tellement d'affaires pour les autres un peu. Mm -hmm. Que là, j'avais besoin de faire mon, mon, mon truc. c'est là que j'ai mis euh, 16 000 en Oui, <laughs> effectivement. Fait que euh, c'est ça. Je sais pas. Ben, en tout cas, tout ça pour dire, j'ai fait beaucoup de capsules de moi. Oui, oui, <laughs> oui effectivement, en as fait. Euh, Puis t'as sorti ce film-là qui était Tony Speed aussi, mm -hmm. euh, que j'aime beaucoup pour commencer, duquel t'as payé Encore, 16... encore sur Nouveau.ca. Euh, le seul court-métrage sur Nouveau.ca, c'est Tony Speed. Yes, sir, 100 Probablement leur truc le moins écouté sur la plateforme, <rire> mais <rire> il est là. La vie rêvée de Mario, augent doit pas si bien aller, c'est ainsi. Ah, c'est bien. Ah oui. <laughs> oh là là, c'est c'est bol ça, je vais le couper, mais il faut que je fasse ça tantôt. Parce que là, t'as vu, ils sont en train de faire du ménage. <laughs> Il y, y, y a une énorme boîte de DVD. Euh, vrai? en bas qui est écrit à recycler dessus, puis je pars avec à soir. C'est plein de. J'ai aucune idée. Il y a quoi? Je sais qu'il y a la petite vie au complet, fait que juste pour ça, ah, ça si vaut à bon. peine, mais genre, il y a, y a eu clairement des séries. genre les restants de. de... Ben, C'est des DVD médias. C'est des affaires, mettons, genre des archives. Ah. C'est juste qu'il faut les jeter parce qu'on les a en un autre média dans un ce ah, C'est nice, ça. Ben, oui, non, non, mais ben, moi, je veux faire un mini-partec Jean-Michel Martabat. Ben, tu viendras aussi si tu veux, mais genre, comme on avec les deux boîtes, puis on va juste, comme un matin, les ouvrir. puis comme. Checker qu'est-ce qu'il y a là-dedans! Ben là, il doit y avoir des affaires. T'sais, il y a plein d'émissions hein, qui se retrouvent plus. Là, hein? ben, quand je travaillais sur l'open mic, c'était juste avant que je musique plus, les hein? bureaux ferment. Mm -hmm. C'était encore dans les vieux studios et tout. Puis il y avait plein d'affaires. Il y avait plein de vieilles archives, genre, puis c'était comme, ah, tout en tape. Puis comme, ah, Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ils sont comme, oh, qu'est-ce que c'est au Non, c'est sûr. Et genre, OK, mais tu peux pas. <laughs> non, tu peux pas. Tu peux tu pas, pas. pas c'est tout ça au Vendange? Il y a trop euh, de euh, bonnes affaires. Tu peux là. pas flasher de clip là. non tu fais, ouais, là? <laughs> Mais c'est un peu ça, tu sais, qu a, ouais. qui se passe. Il y a comme personne qui fait de l'archivage, puis tout. C'est euh, ben, un jeune ami, en fait, que, il fait peur. En tout cas, c'est intéressant aussi. Là. Il y a <laughs> okay. vraiment comme, il y a mille et un channels YouTube uniquement privés. Des fois, il m'envoie des affaires comme. Il y a à... tout, là. Il archive tout. Oui, ça n'a pas de sens. Là, genre, mais c'est un archiviste dans l'arme parce qu'il sait que ça disparaît. genre comme Il m'envoyait. Des, des vidéos de 9 heures, de genre, comme tous les vendredis des Denis Drollet à l'école de l'humour, juste comme tailleur. C'est pas archive oui, tout Oui, non, non, là. il a été loin, là. Genre, non, ouais, c est, c est, il va être fort, je, je dirais pas son nom, quoi, que ceux qui savent savent, là, mais c'est. En tout cas, bref, pour venir à la, pour venir à l'autoproduction, au fait que tu as fait un okay. film aussi, c'est. Euh, non, mais il y a quelque chose d'intéressant, en fait, parce que je suis un peu en train de faire ça en ce moment, sans nécessairement vouloir être réalisateur, quoique je suis en train de réaliser un documentaire, particulier. Euh, avoir son nom qui circule, tu sais des fois t'as une espèce de buzz, mais un buzz derrière la caméra ou genre comme juste dans l'aspect de la mécanique de ouais, création, ouais. puis c'est quelque chose de fichement utile à long terme, de genre juste te amener. tout le monde le sait, comme tu travailles bien, genre. Ouais ben c'est sûr que tu sais c'est un milieu autant l'humour que le cinéma que la télé, c'est un milieu de, de réseautage là, puis si mm -hmm. tu veux une bonne réputation là, ce que tu veux que le monde dise de toi c'est que t'es fiable, t'es bon puis t'es à l'heure c'est ça puis il y, y a un moment donné puis ça je trouve ça le fun aussi puis ça j'en parlais que c'était Vandelac de tout à l'heure parce qu'on a tourné les deux aujourd'hui pour ceux qui veulent se suivre dans le temps c'est la journée qu'Alex Baldwin a tué quelqu'un donc c'est il n'y a rien de plus important qui va être arrivé <laughs> aujourd'hui là c'est euh... sûrement de quoi de plus important en fait mais <laughs> pas seulement en même temps jours. je me sens je me sens me <laughs> mal parce que c'est super tragique. Oui, non, non okay. je sais, il faut que j'arrête d'en rire. Il est partiellement trop tôt, là, mais <laughs> c'est. Non, mais ce qu'elle ce qu disait, c'est que l'autoproduction, c'est une petite bête complexe qu'il faut nourrir pendant longtemps. Oui, oui, oui. Ouais. Puis euh, moi, quelque chose que je constate, euh, en fait, spécialement cette année, c'est euh, pas juste toi, mais comme tout le monde fait plus d'argent d'une année à l'autre. Fait comme donné les gens qui tu travaillent et qui te payaient pas bien, mais que c'était le fun, puis tu faisais de la comédie deux fois par semaine, ouais. année, ils ont plus d'argent, puis ils peuvent t'en donner un peu plus pour ouais. techniquement la même job, puis tu continues de travailler avec eux autres parce que c'est encore ancré en dans leur tête que. C'est pas, pas tout le monde. Non, fais ça. <laughs> euh, mais moi, oui, je... naturellement, Manit. Il a, en tout cas, il y a eu un bout aussi où c'était un peu ça le problème avec... Parce que c'était un peu ça aussi les capsules avec moi c'était un peu de l'autoproduction dans le fond. tu sais c'est mm -hmm. Eux, ils étaient comme « Ok, ben, je, je vais faire un sketch, puis là moi, je m'arrangeais vu que je travaillais avec une boîte qui me prêtait du gear, ben ok, on va s'arranger. » Eux, ils étaient comme coprod, moi je produisais, je faisais de la direction de prod, je m'assurais que ça arrive à, mm -hmm. à bon terme, puis c'était des, des budgets, ça un' pas d'allure. Tu sais. Pendant longtemps, le, le, mon prix, le budget d'un sketch que je disais, c'était 400$. Mais tu sais, ah, ça inclut ah, le manac. preneur de son, ça inclut Dopé, ça inclut le gear, ça inclut moi, ça inclut le montage, euh, it, graphisme, mix, puis colo. Euh, mais parce que, à un moment donné, c'était pas, pas un modèle vivant Mais au oui. début, c'était un peu inspiré, en fait, des soirées d'humour, un peu, mon, mon ouais, thinking, ouais. de genre, tu sais, tu, 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 on veut travailler, on veut faire des affaires, puis les humoristes vont faire les trucs pour 25 oui. Mais pourquoi, quand tu commences comme Réal, comme Dopé, comme whatever... Pourquoi tu ne te fais pas des contacts quand en... tu sais, tu vas te chercher un petit, un petit 75$ là, pour une petite journée de tournage, faire un petit sketch ouais. Ce n'était pas, pas, pas des 12 heures de tournage, c'était des tournages quand même relax, ouais. quand même le fun. Tu sais, c'était souvent un, une lock et tu sais, on, on, on patente autour de ça. Tu sais, ça Ce n'était jamais plus qu'un 8 heures là, une journée de tournage. Là, tu sais, fait que, ça non. se faisait bien, puis après ça, c'est comme tu sais, te tu, tu fais une petite cagnotte. Ce n'est pas grand-chose, mais. Non, c'est ça, mais le, le concept des cachets symboliques est quand même intéressant parce que c'est juste drôle. Ben parce oui. que juste avant que tu arrives, c'est ça, je faisais un corpo sur Zoom, j'ai fait 10 minutes, j'ai fait comme. Brag, mais j'ai fait pour 165$ ce que j'aurais fait pour 25$, les mêmes mots, en même ordre, devant des jeunes. Hein, des fois, c'est juste une question de genre, il y a différentes choses que ça peut t'apporter que de l'argent. Parce que ouais, si ouais. vous aviez tout travaillé chez Subway en même temps pendant 8 heures, vous auriez fait plus d'argent que le 400$ au bout du compte. genre Ouais, mais tu sais, c'est ça. Après ça, c'est une affaire de, de choix. Puis il y en a plein qui sortent des, des écoles de cinéma ou qui vont tout de suite une job. Mm -hmm. Soit ils deviennent ces plateaux, ils deviennent tech, mais leur ambition, hein, c'est d'être dopé ou c'est ouais. d'être réalisateur, réalisatrice, ou peu importe, c'est quoi. Mm -hmm. Puis c'est comme moi j'ai toujours s'il y a comme un, un moment où je dis mais je peux plus je peux pas accepter ces jobs là je ne je veux pas me mettre à faire du son ouais. parce que sinon je, on va me considérer comme un preneur de son un peu ouais puis rien contre les preneurs de son, mais c'est pas ça que je veux faire. Non, c'est ça. Il y en a plein des gens que j'écoutais, puis si, si, si tu veux faire du son, fais du son. Si tu veux faire de la réal, fais de la réal. Si tu veux écrire, écris. Ouais. Tu sais, ça a l'air complètement taré comme si c'était simple, non, mais mm. c'est un peu ça, mais ça. Ça a fait que vite, les gens, c'était comme, ah, oh, mais c'est un un réel, cherche un réel qui fait de la comédie. Ah, ben oui, il euh, y a Alex... Il y a comme un spot que je me disais, je pourrais être là, moi. Puis, ben, tu touches deux branches que je sais pas laquelle choisir. Euh, ben, vraiment, La valeur du nom, en fait, quelque chose qui est super important. Puis, genre, un, la, la précision du nom aussi, les gens comme... Il mm -hmm. y, y a une expression qui existe qui s'appelle ⁇ Personne veut être du jerky. Euh, ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire euh, ben, Du jerky, c'est comme du beef jerky. Pour te donner une idée, genre... Comme, non, mais parce que tout personne mon... veut être ça. Non, personne veut être ça. Moi. Juste, non, <laughs> je te jure. Parce que le beef jerky, tout le monde aime ça, mais c'est le repas préféré de personne. Ouais, ok, je comprends c'est tu dans le tu veux pas être le gars qui est correct dans tout genre comme t'sais, ben euh, non c'est ça euh, c'est quand même aussi des milieux de spécialisation à quelque part puis mm. en même temps tu veux tu veux, parce que aussi on veut pas se, se peinturer dans un coin t'es comme je veux pas juste faire ça moi j'ai jamais j'ai toujours j'ai consommé des émissions à sketch tout mais j'ai jamais voulu être réalisateur de sketch ça jamais été ça jamais jamais écrit de sketch j'ai jamais mm. euh, Ouais, ça, ça, C'est arrivé vite-vite par mon, mon parcours, mais je suis pas fâché. Je suis pas. Non, non, je sais, <laughs> mais ce pas l'affaire que je consomme le plus non plus. Moi, ça a toujours été le narratif. Pis, mm -hmm. pis, donc, j'avais peur de tout ça un moment donné, mais en même temps, il y a un peu un, un aspect chemin de croix à tout ça. Je fais mes classes, puis j'apprends la comédie, j'apprends le rythme de la comédie, j'apprends les mélodies comiques qui marchent, qui me plaisent, mm -hmm. que je vois qui fonctionnent, puis avec, tu sais en faisant des, 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 des trucs pour justement... Rosalie, Arnaud, Julien, whoever, dans ce temps-là, ben, tu sais, j'en ai fait avec, avec Periods aussi. Pis tu, de par le, les réceptions de ça, tu, je, je pouvais tester des affaires, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Mm -hmm. Dans mon montage, quand je me permets ça, ça c'est cool. Euh, tu sais, donc, ça a vraiment été pratique. Tout ça, pis, tu sais, oui, j'avais une boîte qu'ils faisaient avec moi, mais elle le faisait en parallèle. Ils le faisaient, eux, tu sais, il y avait, avait leur compagnie, ils faisaient leur affaire, il y avait des corps tout, puis ils m'ont juste comme dit, tu peux nous prendre du gear. Ouais. Mais notre logo. T'sais, ils m'ont ouvert la porte, fait ça. Puis ça a été un peu le, le début de tout ça. Ben en fait, littéralement, ça va drôle. Je vais, je vais aller vers le documentaire aussi parce que tu m'as donné l'occasion. Mais c'est littéralement comme ça qu'on a tourné le documentaire aussi. Moi, c'est des heures de temps supplémentaire que j'ai mmh. pas chargées en échange genre moi pendant mes vacances, m'en partir avec genre une Black Magic puis un Stellicam. Ben, Il puis... y a un peu de ça aussi, c'est des choix là, que tu fais d'investir de, 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 du temps dans ta carrière, la carrière que tu veux qui, qui ben, tu sais moi, le, ce que je veux faire, c'est mes affaires. Je veux écrire mes projets, je veux les, les raser, j'aimerais ça même les produire. Mm -hmm. euh, évidemment, entouré avec plein de collaborateurs et tout ça, mais faut que j'investisse du temps là-dedans. Moi, c'était un peu ça la logique. Dans ma, dans, ma, dans ma début 20 ans, dans son temps de l'école, c'était comme, ben, tu sais, l'argent que je réussis à mettre de côté, que tu vois des gens qui partent en voyage, puis ils font des affaires, ils font des trips incroyables, puis ça les ça Ça cool aussi, là, aussi. Un peu, Tu vois ça, tu es comme, ouais, moi aussi, j'aimerais ça, là, aller passer deux mois là, en Australie, là, tu sais. Pour te trouver. Pour me trouver, ou juste pour aller surfer, même faire, si. Je vais faire tatouer sous. Ben oui, non, mais <laughs> c'est un peu ça. Tu sais, mais en même temps, je me dis, ben, moi. Ce que j'ai le goût, ce qui me faisait plus plaisir que ça, c'était je vais me payer un film. Ouais. Je vais me payer, je vais me bâtir ça, je vais me payer une affiche que je trouve le fun. Je vais tenter une collaboration avec des acteurs que j'ai envie de travailler avec. Je vais essayer un ton que j'ai essayé. Tu sais, ça. ça pas, pas, faut que tu aimes ça, là, évidemment, mais ouais. pour moi, c'était comme je m'offrais un cadeau. moi, c'était l'équivalent Ah, oh, je fais trois semaines en Europe. J'aime mieux faire tourner speed, tu Ben je pense que tu aimes ton métier, je pense que as besoin d'aimer ton métier aussi ouais, pour le ouais, faire. Ouais. Parce que genre je, je reviens au fait de te présenter quelqu'un qui fait un vrai métier. Moi je reviens souvent à cet exemple-là. Euh, moi je fais beaucoup de choses. Puis entre autres, j'aime bien faire de la photo. Puis maintenant, je parlais avec une musicienne. Puis déjà, je trouve réalisateur c'est pire. Mais elle m'expliquait à quel point, comme elle, ça fait 10 ans qu'elle fait de la musique son band va super bien. Elle fera jamais d'argent avec ça. Genre, comme c'est pas. Ouais, la musique, ça a l'air super mais, rough. Mais tu sais, genre, malgré le fait que je n'irais jamais dire que c'est facile de faire de l'humour, c'est quand même le plus facile de la catégorie artistique en termes d'autoproduction, dans le sens que, genre, je peux faire ouais, ouais. des affaires à risque relativement minime. Tu genre, ouais, ouais. Comme moi, avant de lancer une soirée d'humour, je sauve 500$, puis généralement, je suis bon pour les imprévus de la saison, même ouais, si ouais. ça se passe mal. Mais je veux dire, un film, c'est long, un film, c'est tough. Un Écoute, film, un film, film à, à autoproduire, c'est vraiment. Il faut, faut que tu aies beaucoup d'amis faut que tu aies beaucoup de gens fins, il faut que tu sois fin. Ouais. Si tu t'autoproduis, tu es mieux d'être fin en tabarouette. J'ai quatre pages dans un PowerPoint sur l'autoproduction qui dit Soyez des bons humains. Je non, mais c'est essentiel. Il <laughs> faut, faut que tu sentes, faut que tu valorises les gens qui sont là. C'est des gens qui te donnent du temps. à Speed, il ouais. sept jours de tournage. Là. Les gens, c'était pas payé. tu ouais. as une bonne équipe, c'était des amis. C'est parce que j'avais la chance de faire, travailler sur des corpos tout le monde commence leur carrière aussi. Donc, il y, y avait une fenêtre de genre, ah, y, ouais. ils, vont, ils peuvent accepter. Ils ne ouais. sont pas dans le jus, ils sont en train de commencer leur carrière. Donc, moi, j'essaie de les plugger sur des corpos puis de comme pader en disant « OK, ben, tu m'as aidé là-dessus. Mm. Ben, moi, je vais te plugger partout où je peux, tu sais, Puis que tu ailles un revenu indirect de moi, mettons, tu sais. Hey, » je vais, je vais te poser la question parce que c'est une affaire que j'aime beaucoup amener. j'en ai pas parlé avec toutes les invités, mais je pense que dans ton cas, ça te concernerait. Puis j'en ai parlé avec Stéphanie Vandlac aussi. Il y, a, il y aurait de meilleure façon de le dire, mais je préfère la garder comme ça. Je trouve que l'autoproduction, c'est euh, d'assumer qu'on se sert du monde. Mais tout le monde, dans un processus d'autoproduction, a l'impression que c'est lui qui sert des gens. Ouais. Dans le sens que, genre, je pense qu'on est utile pour tout le monde. C'est pas malsain, dans le sens. Mais comme. C'est beaucoup l'art de trouver, mettons, genre, qui peut te donner gratuitement ou de manière que tu es capable de te payer quelque chose que tu peux pas faire toi-même, genre. Ben, tu sais, après ça, je sais pas si le, le verbe servir est peut-être péjoratif, mais au final, c'est de la collaboration. Puis mmh. c'est. Tu sais, tout le monde a un agenda. Puis il faut que tu penses aussi qui t'approche, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que ça peut lui apporter aussi? il hein? y, y a une espèce de logique à, ou une stratégie à faire de, OK, mais je vais demander à tel monteur. Je ne vais pas demander à un monteur ou une monteur qui n'ont aucune envie de travailler en humour, euh, qui sont full établis, hein? puis de travailler avec moi, qui ne connaissent pas. Tu sais, qu'est-ce que ça leur donne? Ou c'est quelqu'un. Ah, mais là, j'ai croisé quelqu'un pour longtemps, ça a full cliqué, euh, c'est une DOP super nice, blabla. Bla. On parle, à, à, elle aime la comédie, mais elle n'a jamais fait. Puis là, tu te fais, hey, j'ai un projet. Là, il y a comme une, une possibilité de collaboration. après ça aussi, c'est qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que c'est réaliste? C'est mieux d'être flexible aussi, là, genre? Oui. Ah, ben, c'est 11 jours. C'est on, on jour nous, Navote, puis on la semaine prochaine. Oui, non. Are you in? C'est pas, pas ça. Il faut que ce soit... Il soit très conciliant. C'est pour ça que c'est drainant aussi l'autoproduction parce que... Oui. Ben, il faut, faut que tu fasses beaucoup de compromis, puis tu acceptes les imprévus. Tu n'es oui. pas, pas dans les vraies productions, dans le sens où tu pas de coussin. Tu es, es là à aider, puis à surfer un peu sur la bienveillance des gens, mm -hmm. mais tout en étant conscient que tu peux leur amener quelque chose. Il faut, faut eux ça Est-ce que eux, est Est qu ils gagnent l'expérience? Est-ce qu'ils se développent un réseau sur ton projet? Est-ce ouais. que eux, ils ont besoin de garnir leur CV? Est-ce que tu, fait faut aussi que tu Tu j'en ai fait, j'ai fait un, un autre, c'est une addiction là, les courts métrages indépendants. Mais j'en ai fait <laughs> un cet, cet <laughs> hiver. Puis tu places les trucs puis ben vite, il ben faut quand même un peu t'accepter du monde qui sont green dans les départements. Ouais. Ben c'est sûr que ça va être ça. T'sais. Bon, oui, mon DOP, c'est euh, un gars que j'ai fait de l'école, que je travaille long, souvent avec. Euh, après ça, euh, il y a des gens, la, la DA, ben c'est une fille qui sort de l'UCAM que j'ai rencontrée à cause de ça. Ouais. Ça a super bien été, puis elle, elle, ben, elle commence, elle veut se faire un an, elle veut travailler des contrats, puis ben, après ça, ben, j'ai pu la plugger sur une web série. C'est un peu de fil en aiguille, puis il aussi après ça, tu te gardes en tête les gens qui me donnent de leur temps, ouais. je leur en dois une. Oui. Moi c'est un peu. C'est justement -ce cette DA là, elle est venue m'aider. Mm -hmm. Après ça elle est venue m'aider sur un autre court-métrage qu'on n'avait pas d'argent produit par Juste pour Rire. Puis là après ça, j'avais une web série qui arrivait, puis c'est faut j'y offre, j'ai pas ouais. le choix. Bah, oui bah, oui. Puis là comme tu sais, il faut j'y offre une web série. Euh, Mais je... au moins elle était payé par le budget, puis elle peut travailler comme du monde. Absolument. tu elle rencontre une boîte de production. Puis un peu c'est un peu donnant donnant dans ce sens là. T'sais. Je je pose la question en fait parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord, c'est juste comment je vais le dire, ça, ça, ça me trahit. Mais euh, moi, je suis beaucoup de l'équipe renvoyée d'époque. J'ai l'impression que toi aussi. Euh oui, ben, oui, absolument. Euh, je trouve que, y a des fois, il y a des gens que je ne serais pas à l'aise de ne pas rappeler pour des affaires. Ouais. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui. J'ai de la misère aussi à mettre fin à des collaborations il y a des fois que j'ai dû le faire parce que ben ça marche pas le fait est pas là Christophe. <laughs> non non c'est pas Christophe non non ça va c'est pas bien mais des fois tu euh, surtout au, au, quand tu commences aussi tout le monde est un peu plus en mode genre on est une team on se tient ouais. puis euh, ça peut être délicat des fois d'un moment donné tu te mets à explorer à travailler avec d'autres personnes ouais. surtout les postes créatifs euh, parce que le monde se comme ah t'es peut-être pas, es, es, es pas content quoi? puis c'est comme non non c'est pas du tout j'essaie d'explorer des affaires mm -hmm. mais j'ai juste envie d'évoluer en collaborant avec quelqu'un d'autre qui va m'amener ailleurs tu sais mais aussi des fois, c'est juste, ah, c'est un poste plus, plus, plus normal, mettons, moins créatif, puis juste le fait n'est pas là, ça n'a pas cliqué, il y, y a eu des des embûches. Puis là, c'est comme, ouais, oui, c'était bénévole, mais tu sais, en même temps, on est dans un truc indépendant, puis tout. Ça reste quand même, tu sais, si tu acceptes de le faire, il faut que tu le fasses bien aussi, Oui, ouais, absolument. Et moi, je veux, je veux te traiter bien, puis je veux que tout le monde soit heureux, puis tout le monde soit transparent, puis tout soit, soit fair, puis tout ça, mais. Faut, ça reste quand même tu sais on vient pas de niaiser, tu peux pas, pas te pointer non, tu peux non non euh, des fois il y a des gens sont comme ah mais tu sais je suis pas payé fait tu sais je m'en un peu comme, euh... mais c'est pas c'est pas là qu'on l'échange est pas bon d'un bar comme de l'autre ah, ouais. tu t'en tu fous tu vas pas chercher rien dans le fond non mais c'est je veux dire t'es pas payé rendu là tu là t'es pas payé pour aller acheter du lait t'es pas obligé de le pitcher sur le mur non plus là, non c'est ça il y, y a comme <laughs> Oui, c'est vrai ça. mais, mais... je bois même pas de lait <laughs> mais c'est vraiment un, un aspect important de de ça, ce, c'est vraiment comme si c'était un échange. puis Après ça, ben, tout, toutes les gens qui m'ont aidé sur les commentaires indépendants, la plupart, là, tu sais, j'ai eu quelques collaborations qui ont moins porté fruit. Ouais. Mais je te dirais que la grande majorité, au moins 90% des gens qui travaillent là-dessus, j'ai réussi à les repluguer sur quelque chose. Ou, ouais. tu sais, à, 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 à tu sais j'essaie toujours du moins, tu sais. Il ouais. y a plein de gens euh, que maintenant, tu sais, quand je travaille sur un... J'ai la chance de travailler sur un, un show télé, tu sais. Euh, ben, je les amène sur, mmh. sur Club Soli, ben, c'est le gars qui C'est Nathan qui a fait ma DOP du short indépendant cet ah, hiver. Le Club Soli arrive, il cherche un DOP, je, mais moi je connais. Je connais il est bon boy, Nathan, tu sais. J'ai endouillé. <laughs> il vient de me donner trois jours la nuit là, en hiver. Fait que, je savais que tu as l'air d'un Nathan cote des fois. <laughs> Intéressant. Ça, ça y est, c'est dit. Nathan? Nathan. Attention. muscle-toi. <laughs> puis les gens vont penser que t'es Alec. <laughs> non, mais je suis vraiment content premièrement d'apprendre que Nathan est sur le Club Soli. Je savais même pas. Euh, oui, il a fait les sketchs cet été. Euh, parce que c'était en deux blocs, là, on a fait des sketchs cet puis on fait à la semaine. Allez. Cet automne. Puis euh, c'est lui qui faisait tout l'été, c'est bien cool. Puis les monteurs, c'est euh, deux, 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 deux de mes amis mm. avec, qui, qui m'ont aussi aidé sur des trucs qu'on n'avait pas de budget puis qu'on a travaillé sur plein d'autres affaires ensemble, fait que, les collaborations, ça se bâtit sur cette conférence-là. puis Je vais donner au suivant. Oui, peut-être. Ben, ben en fait, <laughs> je, vais, je vais aborder sur un sujet qui est touché. Puis je peux pas en parler avec beaucoup de monde. C'est spécial en plus parce que... Euh, je pensais regarder ça autour de l'humour en ce qui me concerne, mais ça donne que j'ai étudié le cinéma aussi. Euh, toi, t'étais à une école qui prend personne. Moi j'étais à une école qui prend tout le monde. Mm -hmm. Et, euh, a... <laughs> On n'a pas le même métier non plus. En tout cas, faites des liens. Mais c est, c est, c est, euh... Non, mais c'est... Euh, quelque chose de particulier, moi je l'ai vécu beaucoup, en fait, après, euh, après que j'ai fini l'école de cinéma, en fait, tout simplement. Parce qu'on était 120 dans notre cohorte à graduer en même temps vous vous étiez 30, déjà spécialisé par votre programme en réalisation, ouais, ouais, ouais. en montage puis en d'autres catégories en tant que tel. Par conséquent, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de comment dire un décorum professionnel déjà établi dans le cadre de vos cours. Ah, normalement, c'est une, une des affaires les plus pertinentes que j'ai appris à l'UCAM, c'est vraiment euh, le, le décorum d'un plateau, le professionnalisme, comment ça marche. Parce que hein? t'arrives là un peu, tu sais, t'arrives là vraiment jeune et genre Moi je veux pas fonctionner. Moi, ouais, hein? sur mes plateaux? il n'y aura pas de hiérarchie, tout le monde travaille ensemble. Puis, bien vite, tu comprends que c'est comme, non, oh, mais la hiérarchie, elle n'est pas, pas obligée d'être, c'est pas obligé d'être une domination, c'est pas, ouais. pas, pas supposé être ça, mais il y a, il y a une façon de fonctionner, tu sais. ouais. il, y a, il y a vraiment une méthodologie de comment ça fonctionne, comment ça se communique, département par département, qui doit prendre les décisions, puis les quelques fois que tu essaies d'aller à l'encontre de ça, tu te rends compte, tu fais, ah non, c'est bien trop carré, tu sais, il y a trop de monde, il y a trop de détails, ça prend quelqu'un qui décide, ça prend quelqu'un qui lit d'une autre affaire, ça prend on n'a pas le temps d'être. On, on l'apprend vite, puis le Lucas <laughs> me Non, non, là, là, arrête, là tes affaires idéologiques. Déjà. Non, moi, je moi, je collabore avec tout le monde. Tu sais. ouais. C'est comme oui, oui, mais il y, y a une façon de le faire. Oui. Pour que ce soit efficace, parce que tu te rends vite compte sur des plateaux avec une grosse équipe que c'est un gros bateau à bouger, ça doit être efficace, ça doit être rodé. Puis, en effet, de par le fait qu'on on commence, on est 30, inévitablement, il y a du monde qui, qui s'en vont tu aussi sais, dans des bacs comme ça. Nous, on a fini à 23, peut-être, 24, je crois même. Puis. Après ça, après un an et demi, tu te spécialises soit justement en montage, soit en réalisation, soit en DOP, mais tu ne peux pas juste choisir aussi. C'est comme un peu, c'est comme un tiers, un tiers, un tiers. Tu sais. Puis au début, quand tout le monde commence à bac en cinéma, tout le monde veut faire la réalisation. Tout le monde veut. Tout, à part quelques personnes qui sont comme DOP, caméra. Nathan était très clair là-dessus. Oh, oui, il y sûr. en a quand même. Il y a toujours quelqu'un <laughs> qui est très DOP. Je pense mais des que fois, le meilleur voulait montage aussi. Là, mais il y, y en a plein qui veulent le montage aussi, mais. Au début, c'est très comme tout le monde veut faire de la réal puis tout le monde se garoche là. Tu sais, on est 15 pour 8 places. Ouais. Puis c'est il y a des gens qui disent Bien, je, vais, je vais apprendre via le montage, tu sais, puis ils deviennent des, 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 des réals aussi par, par la suite. Là. Ouais, ouais, absolument. C'est pas une sentence. Là. Hum. Mais de faire ça, déjà d'être confronté. On est beaucoup confrontés à l'UQAM à quelque chose qui ressemble au milieu. Ouais. C'est-à-dire que ben justement, tu, sais, tu veux être réel, il ben faut que tu passes entrevue, faut que tu fasses tes preuves avec les, pro les premiers projets que tu as fait. Tu te rends compte que tous les petits projets que tu as faits à moitié parce que tu es un étudiant et que tu es veg, ben là, ils te coûtent cher ouais. tes ambitions. Tu sais, ouais, absolument. Après ça, ben, tu veux faire le, le film de fiction en extérieur, là, fait que là, tu mets ton scénario, mais ils prennent juste quatre fictions. Même si vous êtes réel, ouais. ils en prennent quatre. Tu là, es genre, crap, OK, ben le, le, le film de fin d'études, avec le gros budget, que tu vas avoir six journées de tournage, que tu veux faire, que c'est la grosse projection, ah, ben on en prend peut-être trois. Ça dépend. Oui. C'est comme, shit, il n'y a, a pas de garantie. Évidemment, je pense tu sais. qu'il y a une forme d'apprentissage là-dedans. Et oui. je pense aussi qu'en tant que <laughs> formation académique, les gens qui payent, qui étudient en réalisation, faites-leur réaliser un film. Oui. Quand même. Mais il y a quand même, je comprends la logique. Oui. Au final, il y a de quoi de positif, mais je trouve que... Il y a des gens dans le bac qui n'ont pas réalisé de la fiction, pis, qui est en réalisation. Puis, en quelque part, ça me fâche encore. <laughs> tard, déjà, déjà donnez-leur un film aussi. T'sais, moi, j'ai été chanceux, j'ai eu deux fictions. j'ai eu par la bande. J'ai vraiment passé pas, je n'ai pas en avoir. Puis, ça a été tellement niaiseux de ne pas avoir cette expérience-là, alors que. Tu es un peu là pour ça. C'est littéralement ce que tu fais pas mal tout le temps. en même temps, en étant sur tous les plateaux des autres, tu apprends aussi. Oui, oui, ouais, absolument. C'est pas perdu. Là. Non, non, c'est ça. Mais en fait, c'est euh, ce que je voulais dire, c'est euh, ben, premièrement. Effectivement, suivez une coupe d'étapes. J'en profite pour le dire. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, autant que ce soit en cinéma que de trucs, euh, moi, moi, ce qui me sauve la vie en ce moment, ben, je suis rendu trop occupé pour être capable de juste suivre mes émotions. <laughs> Faites des listes de tâches. J'ai écrit ce matin que j'allais te parler. C'est un plaisir, <laughs> mais c'est aussi une tâche. C est, c est, c est, non, ça fait... mais ça fait partie de, de ben, On n'a tout pas le choix de s'organiser. Absolument. Sais. Mais je voulais juste le dire parce que l'UDM, en fait, n'a pas cette culture-là. Je pense que ça c'est plate, mais ça affecte beaucoup la qualité de, de tout ce qu'on fait. Mm -hmm. Mais euh, comment dire. Booker ses amis, autant en humour qu'en ouais. cinéma, ça devrait être secondaire. Ça ne devrait ouais, pas ouais. être ton but principal. Ça devrait pas être la première affaire auquel tu penses pour faire les choses. L'époque existe, mais l'époque existe parce que quelqu'un fait une bonne job quelque part, fait que tu y en dois ouais, une. Ouais, ça ne veut pas dire. juste être euh, au nom de l'amitié, tu sais, mais mm -hmm. évidemment, je tu suis je, 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 je très fan de travailler avec mes amis. Mm -hmm. J'aime être sur un plateau que les gens sont là, que j'ai déjà un bon lien avec. Oui. Ça aide aussi de. Pas, aux premières rencontres avec des, des nouveaux gens, je suis toujours très gêné. C'était pas contre l'amitié, euh, non, non, je <laughs> sais, mais dans le sens de moi, des fois ça m'aide à être dans un bon climat, mais en même temps, dans la dernière année, j'ai essayé de sortir de cette, cette zone là de mm -hmm. confort. De... Ok, mais je vais essayer un DOP que j'ai jamais, que je connais pas personnellement, okay. mais que j'aime de loin, puis euh, des monteurs ou des monteuses que je, que je connais pas, mais que tu développes un lien, puis c'est vraiment positif de faire ça. T'sais. Puis je pense, en effet, c'est pas juste de y aller avec mes amis pour y aller avec mes amis. Mm -hmm. Ça prend les bonnes personnes aux bons endroits pour les bons projets. Oui. Tu peux faire, je peux faire un projet avec Christophe parce que Christophe, c'est le DOP tout désigné pour faire, mettons, complètement lissé, une série parodique. Mm -hmm. Mais peut-être que si je veux explorer d'autres choses, c'est pas nécessairement avec lui que je devrais aller. Je peux aller avec lui, certains. Il est super bon. Tu vas probablement mais le faire. <laughs> je pourrais aussi. Mais c'est encore drôle parce que tu commences travailler avec d'autres DOP et tu te dis, mais ça, je cherche quelque chose d'autre puis je veux me challenger aussi tu sais c'est pas ça serait pas conclu nécessairement il oui, oui, y a de quoi quand es peut-être plus jeune quand on a 24 quand on est comme we're banned, on est ensemble à la vie à la mort puis il y a comme une transition à un donné que tu fais tu sais lui aussi il peut travailler avec d'autres mondes, on peut tout travailler avec d'autres monde puis faut pas que ça soit contre les gens c'est pour mm -hmm. c'est pour de nouvelles collaborations c'est pour évoluer c'est pour grandir Donc, faut pas avoir peur non 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 effectivement <laughs> c'est en fait, alors, mon lien, c'est surtout avec les soirées d'humour, en fait, parce que j'ai vu beaucoup de soirées d'humour qui se bouquaient seulement comme entre eux. Puis ouais, malheureusement, j'ai ouais. comme pas tant d'exemples de soirées qui ont survécu qui faisaient ça. Ben, le public s'en rend compte, le monde s'en compte, ça devient toxique parce que, genre, c'est un peu. Tu sais quoi, les vendredis à l'école de l'humour Ouais, ben, le vendredi, tout le monde présente un. C'est. Moi, c'est nouveau number, je pense. Oui? Euh, moi, oui, exactement. Puis à chaque fois que quelqu'un me parle de comme l'école de l'humour, ça moule les gens, moi, je parle tout le temps des vendredis parce que je suis pour les vendredis, je suis pour l'école de l'humour aussi. En fait, j'en tire généralement comme. Je, je... c'était tough. T'as pas le fun de tout le temps, ma meilleure affaire que je fais de ma vie. Mais c'est quoi cool, Tu sais, Lucas, aussi, c'était ça, c'était tough. J'ai pas juste été tough sur l'ego, t'apprends plein d'affaires, tu te fais remettre ta, mm -hmm. à ta place, t es, t es, tu te compares c'est tough parce que tout le monde mm -hmm. t'ripe là-dessus, puis après ça. Mais à, dès que tu prends un peu de recul, t'es comme... Mm -hmm. hey, ça m'a tellement. Le, le, le chemin que t'as fait mm -hmm. juste d'être confronté puis de baigner là-dedans non-stop. Mm -hmm. C'est. Ben, voilà. Les vendredis, en fait, moi je dis c'est ça qui moule. puis. Ça moule seulement si tu te laisses mouler parce que l'affaire c'est que c'est pas un prof qui va dire ton ça c'est drôle ça c'est pas drôle Puis tu vas ouais. l'écouter. » genre comme je l'adore Richard Fréchette mais genre comme c'est pas mon radar comique sur comment écrire une joke <laughs> c'était très bon. il est drôle, il était incroyablement drôle euh, l'affaire que je regrette le moins et le plus en même temps c'est que j'ai de le matcher avec ma mère <laughs> ce qui <laughs> est beaucoup de <laughs> non 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 moi je voulais juste qu'il soit là à Noël mais écoute il n'est pas down personne n'est down dans ce tour là sauf moi, ouais, c est, c est... moi que... mais bref euh... C ce qui moule, c'est euh, les douze personnes qui sont là au vendredi à chaque fois, ouais. d'être devant le même public, puis de ne pas être confronté à quoi que ce soit. Pis ça, c'est mmh. une enfant qui m'a sauvé. C'est de ta cohorte, donc c'est un peu, Exactement. Ça devient un peu tes, tes amis. Puis... Oui, absolument, dans, dans le meilleur des mondes. Ouais, J'imagine qu'il y a des, plusieurs situations où c'était pas ça. Mais, mais tu, euh, tu développes, en fait, tu peux développer des réflexes comiques, des réflexes comiques très rapidement pour faire mmh. ta cohorte spécifiquement. Ouais. Ça, c'est un très mauvais radar une fois que tu sors de l'école. Ben, c'est sûr, hein, parce que ça devient ça peut devenir très inside, quasiment. Ou, mmh. Ouais, ouais, non, c'est vrai que, tu sais, des fois on est notre cocon notre bulle Puis ça, ça va au-delà d'une école ou tout ça oui. notre cercle d'amis ça ça fait rire mon cercle d'amis tu sais, des fois on écrit des, des sketchs un peu il y avait, il y avait un moment donné, on, a, on a travaillé sur une, une, toute ma gang d'amis un peu on travaillait sur une, une web-série qui s'appelait l'Intermedia web qui était qui encore sur Uni TV qui a été, euh, okay. été réalisé par euh, Olivier Landry et Emile Baron okay. deux gars super talentueux super drôles on les Puis on avait fait un, un espèce de meeting à, il y avait comme il y avait invité toutes sortes de writers on était comme 10 là, dans la, la salle de réunion parce qu'il voulait comme un genre de writer's room, c'est vraiment au début, début du projet, comme une fois qu'il avait été financé. Puis, euh, tu sais, on essayait de faire... ça devenait tellement pointu, là, des affaires, tu sais, des, des jokes de clones 3D, là, bébé au stade olympique. Tu sais, genre, fucking précis, <laughs> parce que ça, ça va déclencher un rire de tel gars ici, que c'est genre, ah oui, des gros bébés au stade olympique, monster présente un présent, ça. <laughs> Genre, tu sais oui, ça nous fait rire nous, puis après ça, dès que tu sors un peu de ton cocon là, des 10 épais, ouais. pis genre tu te dis ah ça, ça va peut-être faire rire aussi là, autour, dans le Mayland, ça va faire rire. Puis il y a des gars, m'a donné, on était parti loin là, dans les affaires, des bébés 3D. Au <laughs> stade. Arrête, Mais, ça, ça, du que ça, je pense que c'était encore bon. Non, non, ça c'était 100%. Je <laughs> pense. Mais le euh, du matin il y oui. avait non là on a des gros bébés 3D au stade le bataille présenté par Bunster. Oui. moi je pense encore que ce sketch là aurait dû exister mais bon <laughs> c'était ouais je pense que je suis fan mais, ouais. un moment donné il y a juste on s'est comme en, en fargé de, dans les, les fleurs du tapis Puis un, un, de, un des gars il avait dit, il dit là il dit on, on focus comme pour se faire rire nous on focus pour faire rire les autres gangs de créatifs qu'on connaît. Mm -hmm. on focus de faire rire genre les agences les gens de Myland les gens de puis c'est comme, même si eux on les fait rire, ils vont voir, ah, c'était ouais, pas pire. Ouais. ils vont penser qu'ils peuvent faire mieux. Puis ils vont l'oublier ou ils ne partageront pas. Il, ça n'aura pas de marque quasiment sur eux. Ouais. Peut-être, dans le meilleur des mondes, oui. Là. Mais pourquoi on vit ça alors que ce, qu ce, qu ce qui serait vraiment nice, c'est que tu fais cette affaire-là, puis ça atteint des ados ouais. ou, ou des, 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 des jeunes, ou pas des gens du milieu. Ça atteint du vrai monde un peu qui, mm -hmm. eux, il va le raconter, tu sais, un, un gars qui va rentrer à la job, puis il va raconter ça à, à son, son voisin de bureau, puis il va juste raconter, j'ai écouté cette affaire-là, il va vouloir raconter la joke. Puis on le sait, c'est quoi ce feeling-là? Parce qu'on on a été ces gens-là qui... Tu as vu une bonne joke, tu as vu un bon sketch, j'ai dit « chicken can't sweat, puis le lendemain, tu arrives, tu parles de ça à tout le monde aussi. Non, non, c'est... Tu parles de tout, tout le monde au secondaire, tu parles de tes affaires, un, tu as fait des jokes, tu gens chanté à moi, bien puis... Que fais-là? Tu sais, non, mais que fais-là? <laughs> mais en, hein, que fais-là? Mais en, hein, encore à ce jour. Parce que je suis content que tu aies ça. Ben, c'est. Parce que personne, personne cache ton affaire-là, mais genre, moi, mon frère, il dit sans arrêt, hein, que fais-là? <laughs> en tout cas, <rire> <rire> ça fait plaisir. Oui, Et euh... puis même, c'est tu ça, faire le Oui, absolument. Parce qu'il y a plein d'enfants dans même, mais juste de marquer de cette façon-là, je trouve ça, c'est ça, ça, ça devrait être ça l'objectif. Tu sais. <laughs> Plus que de faire rire. Genre le, le gars chez LG2, tant mieux série rire le gars chez LG2, ouais. la fiche chez LG2. Je veux qu'il trouve ça bon aussi, je veux que le monde trouve ça bon. Ouais. Mais ça devrait pas être juste ça mon, mon target, ça devrait pas être juste comme le milieu. Tu sais. Non, 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 pas en tout, c'est bizarre, c'est en plus pour vrai, parce que de forme de, ça existe beaucoup en humour aussi, la forme de reconnaissance, puis c'est particulier parce que c'est un choix, faut que tu fasses un man Il ouais. y, y a des humoristes extrêmement populaires auprès des humoristes. Ouais. C'est plate, mais ces gens-là, des fois, il faut qu'ils hein. qu fassent du théâtre à la ronde, là, genre, pour s'en sortir. C'est drôle, en plus, pour vrai. C'est un une belle gens... expérience, par exemple. Il paraît. Ouais, paraît. Mais, 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 c'est une joke, mais en même temps, c'est vrai, parce que mon cousin, il l'a fait longtemps, puis il avait vraiment l'air de triper. Oh. Puis ça avait l'air vraiment le fun à un moment donné. J'étais allé, puis j'avais trouvé ça vraiment cool. Ah, oh, ben écoute, je note, mais juste avant, regarde, c'est un ingéant. <laughs> <C 'est ça. rire> non, mais c'est ça, pareil. Du euh, ben, théâtre ben, à la ronde. Ben, c est c est si, pour de vrai, en fait. Le stakeur. Hein? <laughs> oh là 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 là, c'est en feu. Excuse-moi. Ouais, non, ça, ça peut devenir seul podcast, mais c'est euh, je conseille Daniel Grenier, on aimerait ça recevoir au podcast en plus aussi parce que c'est un monsieur qui me fait broyer dans sa démarche là. Ouais, ouais, très... autant de rire que d'émotion parce que c'est quelqu'un qui a valu qu'il réapprenne à faire du stand-up. Mm -hmm. Il est tombé dans une démarche d'autoproduction particulièrement intense quand il a quitté les Chicken parce que je ouais, ouais. je sais pas comment être seul sur un stage. Ah, ben c'est oui, quelque chose. Euh... J'ai 25 ans d'expérience, je sais pas quoi faire. Ouais, ça doit être ça doit être vraiment challengeant. <laughs> là pour, je ne connais pas, dans les années, mais j'ai eu énormément d'admiration. Je suis un, un Chicken Swell fanboy. Tu as le présenté, je ne sais pas comment, j'ai zéro iso-dispos, mais j'ai Un jour, j'ai pris une photo avec oh. quand j'étais à l'université, comme fan. Ah, bien fait de ça. Mais un, moment donné, un moment donné, ça va, ça va donner, mais ah oui. j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'admiration pour, pour lui. Pis encore plus dans les dernières années, justement de par ce, 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 ce parcours-là. Honnêtement, je pense que quand on, on commence à mieux, on ne on réalise pas. À quel point c'est le, le oui. ça, ça, Il a fait un deuxième, je peux une croix de même. Oui. Tu sais, d'arriver dans des soirées du monde, d'arriver là au. Ouais. D'aller au, au jockey là, ouais. euh, quand, ouais. quand t'as 45, t'as des enfants. Là, non, c'est ça pour 25$, t'as une maison avec tout pour as une 25 suite. 25$, c'est le monde de l'école qui te parle. Il doit y avoir de quoi de... C'est pas clair en plus, que le monde de l'école qui, en plus, genre dans ces années-là, c'était dans le temps où ceux qui sortaient de l'école rentraient fort d'une grosse shot, là, genre. Fait que, ouais, ouais, dans, il y a eu euh, une bonne vague, euh, là, de. Ben, c'était les mêmes années que Jean-Coco Belliveau, boit Vert, Alex Forêt, genre. Puis là, t'as Samboa Vert, qui a un petit tome de briques sur scène, pis c'est juste comme, hey, c'est fou, ce jeune de Québec de 19 ans-là. C'est Chris, en plus ce qu'il fait sur scène que, genre, moins, il y a rien dans ouais, ma valise comme... qui peut m'aider, genre. Ça doit, être, ça doit être vraiment, vraiment challenge, hein. être mm. euh, Ça doit être vraiment tough, t'sais. J'en ai pas fait pour te poser la question parce qu'il y a eu des moments. Il y a même sorti en fait une heure qui s'appelait Daniel Prisme Color, l'année juste après. Ça s'est un peu mal passé. C'est assez connu en fait. Ça s'est pas mal passé. Je l'ai vu, moi, ce show-là. Ah, il était le fun. Il était le fun, il était intéressant. T'as vu au petit medley. Ce serait me mentir de me dire que Daniel te regardait les yeux à un quelconque moment parce qu'il était pas capable. Ça se peut, il a l'air très, très gêné. Non, non, à cette heure, il regarde le monde les yeux. C'est juste comme le concept du stand-up dans ce show-là. Il n'est absolument pas capable de le faire. Mais, euh, mais il est quand même arrivé j'ai pas que tu te poses la question parce j'ai l'impression que c'est crissement pire quand tu fais des films as-tu déjà vécu un échec d'un film <laughs> euh, euh, non jamais mais en même temps c'est après ça ça tu sais, est-ce que j'ai vécu un échec public clair et évident je pense pas mm -hmm. corrigez-moi dans les commentaires <laughs> j'ouvre la porte à me faire avancer mm -hmm. mais euh, ben, je sais pas tu sais, Mettons, un peu comme on parlait l'autre fois sur, sur, sur ton autre podcast, mais tu sais, mon expérience avec Maria est à, est à couteau euh, oui, tiraillé. Oui, oui c'est vrai. De par un peu les, les reviews Letterboxd, de par mon rapport au film, de par l'expérience. <laughs> Non, non, j'ai arrêté. Non, j'ai délité le letterbox de, okay. de mon téléphone. Je n'y vais plus. Des fois, je vais checker ouais, je, je, je. <laughs> Ton autre Des fois, je vais checker vite de... vite. là, tu vois un couple qui ont chacun mis une demi-étoile. Tu fais Ah, ah là là <laughs> Tu lis ça, après ça, tu t'en vas faire une pas Non, pas de... De... ils n'ont pas fait de review, ils ont juste mis une demi-étoile. <laughs> Hé, hey, j'ai le goût de me battre. J'ai le goût de me battre avec un couple là, en ce moment, c'est que c'est pas clair. <laughs> non, non, pas en plus. Après, ok, bon, là, le... une petite parenthèse de box <laughs> Ça a beaucoup habité ma ouais. fin d'été. <laughs> Puis, en tout cas, là, je allé voir, là, tu sais, j'étais, crap, petit check, il avait déjà vu, tu la, 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 la fille du couple, elle avait jamais capoté sur mes enfants, mais elle avait raté comme euh, Jeep Boys, Tony Speed, comme bon, deux étoiles et demie, trois étoiles, genre « fair ». Puis là, une demi-étoile. Puis là, je te fuck, tu sais. Puis là, je vais checker. Tu vas toujours checker aussi, c'est qui, là. Parce que c'est un petit monde. Ouais. <laughs> genre, es-tu à l'UDM, es-tu à Lucam, es-tu à Conco? Who's that? Mm -hmm. Es-tu dans le milieu? Puis là, elle, elle travaille chez Québec Cinéma. Fuck. Puis. Oh. Puis là, là t'es genre, ah merde, après ça, je capotais, là. tu sais. je suis là, ah merde, là, ça veut dire qu'on <laughs> ne sera même pas au rendez-vous? J'adore aller au rendez-vous. Puis. Beaucoup Après ça, là, que... je, je tombe, je vais sur son... Écoute, ouais, c'est vraiment du cas là, de... C'est de l'enquête, genre. Oui, non, la non, personne non, ben, qui, qui a haï ce que j'ai fait, j'ai ce... besoin de la connaître. Je, je respecte parce que je fais la même chose, mais on appelle ça « spiral ». Continue. Euh, oui, oui, 100%. <laughs> 100 Puis là, je tombe, puis sa cover photo à cette fille-là. C'est elle puis son chum qui a donné une demi-étoile. Avec Dave Bocal, je suis comme « Quoi ?» hello <laughs> Quoi ?» Je suis comme « Crème, je lui ai donné un anan, Le film commence avec Dave. » donnez-moi au <laughs> moins une étoile Une étoile pour Dave C'est <laughs> drôle. Ah, -ce, oh, ben. Ouais, en tout cas, pour revenir à, à ta pour, question. Pour là, on fait un stage à Québec Cinéma, euh, puis il y a que personnes désagréables aussi. Mais si non, si mais. contre le festival, c'est contre les gens. Mais, mais non, mais il y, y a du monde super aussi. Il oui, oui, y a plein non, de critiques sais. qui sont super nice, puis qui ont, ils, sont, ils sont bien articulés, puis ils, sont, ils critiquent de la bonne façon. Puis, puis t'as le droit de mettre une demi-étoile à la Maria, t'as fucking le droit. ça. vous avez le droit, faites ce que vous voulez. Après ça, c'est à moi de gérer mieux ça. Des fois, c'est juste une affaire aussi, c'est juste ça de même tu as quand même Maria dans le titre et quand, dans toutes les scènes. Fait comme si tu n'aimes pas Maria Madza, ouais, ça, te, ça va pas <laughs> bien. C'est sûr, sûr que si tu n'aimes pas Madza, écoute-les pas. Là. Honnêtement, écoute-les pas. C'est 5 strikes, je ne connais pas le baseball. Oh. <laughs> Mais Tout ça pour dire que maintenant, ça serait ça, mon, mon plus proche. Parce que, honnêtement, quand tu as un short, qu'est-ce qui fait que c'est un échec ou un hit? Tu sais que ce pas un hit si tu n'as pas les parcours à la fauve ouais. ou à Brotherhood et tout. Puis j'aurais jamais ce parcours-là avec un short. Impossible. Oui, c'est bien. En tout cas... Tu viens de me rappeler. impossible, mais... Je travaille pas pour ça. Tu viens de me rappeler que Fauve existe, Carly, est-ce que c'était bon? c'était fucking bon, Fauve. J'en profite pour les plugger très rapidement. Allez au Festival Spasme. Juste aller au Festival Spasme. allez au Festival Spasme. Vous allez faire le tour de littéralement pas mal tout ce qui s'est fait de meilleur. a vraiment, beaucoup, oui, c'est le cinéma insolite, comme ils le disent, mais c'est aussi, c'est pas juste. La réputation de Spasme, avant, je pense c'était vraiment comme. C'est du gore, c'est du gore, c'est du gore. C'est que à partir d'une soirée horreur, puis l'année 2, c'était plus juste ça, puis ils fêtent leur 20e cette année puis tu regardes la sélection et c'est comme Ah oh non, tu sais, c'est vraiment, vraiment du cinéma insolite. Oui. Mais il y a vraiment plein de, de bonnes affaires, tu sais. Il euh, y a toujours un, un edge. C'est sûr que c'est pas. Euh, mettons, je ne sais pas à quel point fort fauve sera là à Peut-être peut Oui. Je l'ai vu là. Bon ben, as, bah, ouais, ben Tu vois, bon, ça, bon, c est, c est, euh... mais ton Brotherhood, je ne sais pas si c'est spasme tant que ça. T'sais. Non, mais. mais tu as, 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 as deux films cette année à spasme? C'est j Boy puis t'as euh, le film à Anthony Montreuil j'oublie son nom. Maestro. Oui, Maestro. exactement. Tu verras ce soir au cabaret très Bien sûr, ben puis je l'ai pas vu et encore, c'est euh... bien nice. Ah ouais, ben ouais. crème tu vas voir. C'est la première fois qu'il va être présenté devant du monde euh, sur un écran, fait que je suis vraiment content. Ben écoute, je vais rire fort et Boréal à pied. Mais tu vois, on, tu parlais d'échec, est-ce que ce film là est un échec Maestro. On va parler hey, de Maestro. Ben, oui, bonne question parce que ça mettons on a fait un premier ça, ça rentre dans la série de co- métrages c'est une petite une bonne parenthèse mais euh, juste pour rire, euh, quand il y a eu la, la pandémie, ils ont voulu faire un volet web, puis ils m'ont contacté, puis on s'attendait tu de faire un genre de short ou pilote de série télé, on a une petite enveloppe, puis fais ce que tu veux. Ouais. c'est comme euh, Pour un gars avec un profil comme moi, c'est impossible que je dise non à ça. C'est comme, ah, donne-moi, tu me donnes... Euh, je, vais, je, vais, je vais te faire le quoi? Je vais okay. te faire le quoi? Puis c'est une opportunité que je, je vais prendre. Même si les délais sont tough, même ouais. s'il n'y a pas beaucoup d'argent, je vais devoir me démerder. Mm -hmm. La seule différence, c'est que ça ne sort pas directement de mon compte. Ouais. C'est une bonne nouvelle. <laughs> mais je vais devoir demander des faveurs aux gens encore dans le fond ça fait que cette année je fais trois courts métrages indépendants bref fait que là j'en dois à du monde <laughs> je, je suis posé plugger du bon Spain à correct. Bref, tout ça pour dire qu'on a fait le premier qui était Sainte Marie-Josée pendant la croisade, qui était un genre de short pilote aussi pour un projet télé que Rosalie fait, un genre de Karen de banlieue qui veut détruire la maison des gens. Qui a eu une très très belle vie. Qui a eu une vrai. super belle vie. T'sais, on l'a sorti, euh, quand c'est sorti, ça, les, 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 le 48 qui est en ligne sur le site du Sports, c'est comme des 15-20 000 vues. Oui. Ça cartonne bien, je m'en fais, fais parler. On a, on a gagné des gémeaux avec ça. Euh, oui, oui, effectivement. On même a même, tout super, raflé. fais si un détail à l'interne, ça a même causé des erreurs parce que. <laughs> Ben, ils ont pris pour acquis que le court-métrage, vu qu'il a vraiment bien marché sur les plateformes de Juste pour Rire, que le court-métrage en général était la nouvelle grosse affaire. Ah, mais non. Ben, c'est ça, non. C'est ça, que non. Ben, ah, comme, non, non, mais c'est c'est. Non, c'est ta... non mais merci. Au moins, ça t'a quand même causé un succès en court-métrage, ce y n'est pas une phrase qu'on dit souvent à la messe. Oh, c'est sûr. Mais c'est juste je fait. peut-être plus ça, court-métrage. Il y a quand de ouais, ouais, pétoil plus... à la lignée, là, comme, Non, 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 non tous les court-métrages, chacun d'entre eux. Pis comme, mais, tu sais, moi, j'ai vraiment aimé ça que je pourrais faire ça et qu'ils le refassent aussi cette année. Pis mm -hmm. Je pourrais, si vous le refaites, moi, je suis à mort-lettre. Let's go. Je, 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 vais toujours, je vais toujours répondre oui à l'appel. Ben Je vous dis ça. On verra peut-être dans 20 ans. Ça va être fatigué un peu plus, mais les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles, bien. mais. Certains, ça revient. Moi, j'y retourne. Allez. Bref, tout ça pour dire, puis là, Maestro est arrivé, puis je voulais, tra je voulais tra je travaillais avec Sam Quentin, qui est un BD ouais. super bon, que j'adore, puis euh, qui est un scénariste aussi, puis là, a, en tout cas, on a pondu ça, puis c'était comme ça, ça, devrait être montré, on devrait... ça fait longtemps que je veux le montrer au centre de quelque chose, puis qui peut être juste lui-même, puis être dingue un peu, puis... Qu'on s'amuse avec ça. C'est vrai qu'il est zinzin, cet homme-là. Oui, il est zinzin, ouais, il est zinzin, est... En Mais dans le bon sens, je pense. Ouais. Je comprends pourquoi il y a des gens qui ne sont pas sûrs d'Anto. Ben, si, je ne si, si sais pas, pas mais. Il faut, faut prendre deux pas, pour comprendre ce qui se passe. Il hein. faut comme percer un peu sa carapace, un peu zinzin, puis à un moment donné, tu comprends l'humain. Pis... Il n'est pas zinzin réel, il est zinzin Anthony. Oui, euh, ouais, il est zinzin Anthony, il est rigolo en en Bref, puis on l'a fait, puis justement, de par l'expérience de Marie-Josée, ça a moins eu de hype en partant, puis on dirait peut-être. Je m'attendais à ma affaire, puis finalement, c'était comme Ah, ça me lève moins, tu sais. Hein? Ça a eu un visionnement correct, tu sais, Mais après ça, ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle n'a pas aimé ça, ce qui était une première dans ma vie. Ma ça, mère... ça, compte comme combien de mauvaises reviews letterboxes ta mère qui t'appelle C'est très différent, parce que jamais je m'étais dit ma mère va capoter ce film-là. C'est vrai, j'étais comme ça, c'est sûr que ma mère n'aimait pas ça, tu sais. hein? Mais le fait qu'elle prenne la peine de m'appeler pour me le dire, quand même, j'ai fait OK. Hein? rough. Puis aussi, après ça, dans les vis le visionnement d'équipe de Maria et ouais. à la première à Fantasia, Mariana a bâché le film. What? Pour une raison Mais ben, tu sais, Mariana, elle aime ça bâcher le monde. Là, il y a un peu de son clown là-dedans, tu sais. Mais non, mettons, non. <laughs> au, au visionnement d'équipe, c'était vraiment comme une surprise. Genre, elle a juste bâché le film. Si je l'avais vu, je t'aurais pas engagé là-dessus. J'étais là... Genre, Quoi? OK, fine. Puis là, à Fantasia, elle a refait... La même jour qu'elle dit, euh, ouais, là, il fait des courts-métrages. Ils sont pas tous bons, là, hein? Puis elle, comme, elle est repartie sur une tirade, puis j'étais là. <laughs> je suis déjà fucking stressé. Peux-tu me foutre la paix? Mais bref. <laughs> c'était le goût de me battre avec un, coup, un autre de. Non, non, Hey, Smart, mais, <laughs> met, mais là-dessus, mettons, j'ai trouvé ça un peu off. Oh là là. Tu sais, c'était gratuit quand même. Puis là, ça fait que ça te travaille un peu, sais, Puis là, est-ce qu'on. Tu sais, parce que quand je le faisais, c'est un film qui m'a fait beaucoup de bien à faire, sais Je me ouais. suis comme permis. Je sortais de. Faire des sketchs pour la tour, que je m'emmerdais. Ouais. J'étais juste tanné de faire ça. C'était comme la même affaire. L'équipe était super nette nice sur la tour. J'ai quand même eu du fun, mais cette année, c'était trop la même affaire. J'avais l'impression de devenir poche. Tu ouais. avais le goût de faire le meilleur gag de ouais, graffiti. Ça me rendait gris. Ouais. J'avais le goût de faire une niaiserie avec Maestro. Pis de tourner ça tout de suite après, mm -hmm. au printemps passé, ça m'a fait full du bien. J'étais comme, oh, ah. yes, on a quelque chose. Ouais. Il a fallu l'écrire vite, le monter vite, le tourner vite. C'est sûr que j'aurais aimé ça, passer plus de temps à le peaufiner. Ouais. Puis après ça, ben, le, 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 je me suis pas fait beaucoup parler. Les gens me, se permettaient beaucoup de me dire qu'il n'y avait pas capoté. Je te, hein? vra je te mets vraiment en haleine pour ce soir. Là, là. Oui, <laughs> oui, non, je sais, là, mais c'est la magie de spasme. Tu n'es jamais le seul. Là, mais c est, c est... Non, 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 mais euh, je pense que. Moi, oh. je l'aime, ça fait. Il me fait faux tu rire. C'est juste parce que as un ton plus. quelque chose de plus dark un peu dans ce personnage-là. Mm -hmm. En tout cas, mais, comme un, un ami sur un plateau qui vient me dire. Bouh, bouh pas ouais. sûr, tu sais, un, autre, un bon frère qui m'appelle aussi pour me dire ça. Voyons, ben, ça, je sais ouais. pas il y, avait, il y avait quelque chose, tu sais. C'était une belle fête. Euh, oui oui oui, <laughs> non, mais je, 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 je m'attends pas ma famille a capoté son mariage. Tu sais comme des fois c est, c est, il y a des fois la plupart des projets, mais mm -hmm. je pense que là c'était comme ça là il y a, mm -hmm. a moins il moins il moins raisonné donc il voulait me le dire. <laughs> ben, c'est c'est parfois euh, en fait, qu'il pense ma... qu'ils qu sont vendus peut-être. Ben oui oui, effectivement. c'est le fun d'être objectif en fait, je trouve c'est euh, Comment dire, c'est euh, problématique quelqu'un qui est tout le temps dans avec tout ce que tu fais. C'est pas normal. Wow, hein? C'est ça. Mais euh, la, la question que je voulais te poser, en fait, parce que c'est plus direct en humour, mais j'ai l'impression que c'est plus tough à prendre en cinéma. Euh, une des leçons en notre production qu'il a fallu que je fasse, ou en production, ou en fait en n'importe quoi, c'est euh, de prendre sur moi les échecs sans nécessairement m'en tenir responsable. Mm -hmm. Parce que, tu sais, mettons, si tu considères Maestro est un échec. ou... Mais ben, Je considère pas que c'est un échec, mais c'est juste qu'il y a pas eu de. Il n'y a pas eu du positif tant que ça que j'ai reçu. J'en ai eu, là, évidemment. Là, Mais, Mais c'est tu... comme un, un des plus mi-figue, euh, mi, mi Mais peux-tu t'imaginer concrètement te voir genre faire quelque chose différemment avec Maestro pour que ce soit pas la même expérience? Parce que moi, en fait, c'est même si... Olivier Picard, si tu me permets d'en parler, euh, je parlerai de Temisquata, si tu me permets. Okay. <rire> <rire> ça serait bon. Non! Non, non, mais c'est euh, un, un moment d'humanité pareil, mais c'est euh, on faisait une série de tournées, hein, on une série de tournées, donc une série de shows, en fait, pendant une longue tournée. Puis à un moment donné, on était à Temiscouata sur le lac, qui est la, la ville natale de, de Lipicor. Et euh, le but, c'était de, de, que sa famille soit là, puis que les gens de la ville viennent voir ça, en particulier ouais. il y a, une Salle, qui peut accueillir 60 personnes, si je me souviens bien, euh, en temps de COVID. Et finalement, il y avait 14 personnes. Mm. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire sur l'expérience. Parce que l'autoproduction, c'est beaucoup ça aussi. Euh, te faire une bonne couenne pour les fois où ça ne se passe pas comme tu pensais. Ouais, parce ouais. qu'on on improvise tout un peu des affaires quand on commence à les faire. Ouais. C'est apprendre beaucoup de métiers en même temps. L'autoproduction, ça, je le dirais à tous les épisodes. Et euh, à m'amener puis je suis en train de filmer et de me préparer à monter sur scène. Euh, Olivier fait juste dire « Ouais, je suis en train de faire une crise de panique. » Puis c'est comme « Je suis d'accord. »« Je comprends. » C'est pas ta faute, mais je comprends ce que tu ressens. Parce que, genre, même s'il n'y a rien qu'on aurait pu faire différemment pour avoir comme le ouais, ouais. monde, le, le monde qu'on a eu pour produire ce spectacle-là, il n'y a absolument rien qu'on aurait pu faire différemment. Euh, C'est désagréable pareil qu'il y ait 14 personnes au lieu de ben, 50. Mais ben, tu à un moment donné, ça, ça, je pense que ça fait partie de faire une proposition artistique, culturelle, whatever. Mm -hmm. Tu sais jamais, il y a des fois y a des affaires que tu fais tu es comme je sais pas trop, c'est pas pire. Puis finalement ça marche en malade, là, genre tu genre, pis ça pis en fait tu... parler non stop. Puis tu sais pas plus pourquoi, genre, Tu sais mais... pas tant plus pourquoi. Il y a des fois il y a des trucs qui, qui résonnent chez le monde puis que ça marche. Puis des fois il y a des trucs tu puis en, en cinéma en court-métrage en, 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 en film en général, ou en télé, mm -hmm. c'est beaucoup de refus, tu c'est beaucoup, tu vis, ton, tu vis des, beaucoup beaucoup d'échecs pour quelques victoires, tu sais c'est mm. Si tu, tu fais un film, tu l'envoies dans des festivals, mais il est peut-être peut sélectionné dans 25 festivals. Tu sais, mettons, a quand même une belle vie en festival, peut-être ouais. une vingtaine de sélections. Mais tu sais, Traveling, ils me diront pas. Il y en a 80 qui ont dit non. Mais il y en a probablement 80 qui ont dit non, tu sais. Ouais. Puis après ça, tu ben, tu as, tout, as, as toutes les... Des fois que tu pas... Tu t'inscris pour une nomination puis tu l'as pas. Euh, les, les demandes de financement que tu te fais refuser qui ça, c'est courant, ouais. puis <laughs> Des fois, aussi, c'est juste comme hey, je suis allé pitcher un projet à, à une boîte de prod, puis la boîte de prod ne veut pas. Ou des fois, tu as ton film, puis le distributeur ne veut pas le distribuer. ou mm -hmm. tu sais, il, y en a, il y en a plein d'affaires la même, puis c'est continuellement ça. Ouais. Puis c'est toujours tough, là, tu sais, ça reste tough, mais à un moment donné, faut comme, faut comme tu l'acceptes. Tu sais, juste, juste tantôt, mettons. Pour euh, un festival à Montréal, que ma blonde a soumis son film, puis moi aussi. Elle m'écrit tantôt, hey, j'ai eu une sélection pour tel tu sais. » Puis je me suis fait, ah, crème, c'est nice, par Puis après ça, je check mes merdes. Une... Excuse-moi, t'as une blonde Oui, j'ai une blonde. On tu sortais avec Christophe. Okay. <rire> <rire> euh, oui, oui, euh, j'ai une blonde. Euh... <rire> <rire> euh, ben, ben, <laughs> bravo, tabarnak On est bien, on est bien. C'était réalisatrice aussi. Euh, oh. très, très plus talentueuse que moi. C'est-tu Anne Aymon Non, c'est pas Anne Aymon. C'est pas Anne Aymon. Je sais pas c'est qui d'abord. Euh, ben vraiment c'est pas l'Amélie Amélie Hardy euh, son sort sors film. avec Amélie oui je suis content yes 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 eh hey, oui excusez ça me rend vraiment heureux quand j'apprends que le monde sort ensemble ouais ben ça j'avoue t'as connu dans le fond ouais je... Brian je... Piton sort je... avec Julie Beausoleil je sais pas si tu savais mais oui, ça, ça ben me, oui, me rend je... vraiment je... heureux ça aussi c'est bon c'est la meilleure réaction que j'ai eu de, depuis que yeah, je sors je... avec non, je suis fucking content ben merci moi, moi aussi je suis content ouais hein. non c'est ça est puis, bien. elle est vraiment vraiment talentueuse puis euh, c'est normal que son film ait été sélectionné euh, il va avoir une très belle vie. Son film, La vie heureuse, Oui, irez euh, voir. Oui, très, très bon. Hey, ça m'a fait chier en plus pour vrai, parce que j'ai euh, de mon honte affaire, j'ai eu une passe média pour regarder tout ce qu'il y avait de, de au numérique FNC? Sur, sur, au FNC. Mais son film n'était pas sur la plateforme. Oui. Euh, non. Il était seulement en salle. Ce qui est très weird pour un court métrage. Mais c'était toute une projection. J'en doute dans absolument les... pas. Son film est quand même euh, singulier parce que c'est comme une méditation guidée sur. C'est vraiment un regard sur les, les, les différentes facettes de divertissement des gens. Oui. Puis comment on. on on se divertit. C'est comme... Il est super absurde. Pis, ouais. alors, en tout cas, j ai, j ai vraiment, je trouve vraiment sur, sur ce film-là. Puis, c'est dans une projection, les nouveaux alchimistes sont des trucs plus... Oui, plus, plus flyés, un peu. Plus, le le, le, le film année, officiellement. Ah mais mais... non, mais puis, mes parents sont venus voir le film. <laughs> Genre, les, les cinq premiers films, c'était vraiment... C'était quasiment de l'art visuel, mettons-le. C'est de, ouais. de la performance même. Pis, c'est pas pour tout le monde, surtout pas pour mes parents, mais c'est super poli. J'aimerais bien que les gens expliquent leur démarche au début, peut-être. Il, il, il y avait des trucs assez, assez, euh, assez fly. -y. Bref, tout ça pour oui. dire que, pour revenir, on parlait des, des refus et tout ça. Oui. Que, elle, là, qu'elle me dit ça, je fais Ah, non, c'était sûr que tu l'avais. Attends, moi, j'ai reçu un email. Et non, non. Plus là, tu fais hmm. Si je le reçois pas dans la prochaine heure, doesn't look good for Maestro. Oh là puis, là. là. C'est part of it. T'sais. Je sais pas. Ah. Peut-être qu'il va être pris, puis tant mieux. Mais au final. Tu ne tu contrôles pas cette affaire-là. Tu sais. ben, je, je suis vraiment content que tu abordes ça, en fait, parce que premièrement, on n'en a pas parlé avec personne d'autre. Puis deuxièmement, je trouve que c'est une belle notion. Parce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est spécial parce que, honnêtement, et pas peur, Noël s'en vient. Je suis. Je suis en train actuellement de me magasiner un burn-out. Genre comme hey, ça. Mais est mais je comprends, oui, je oui, comprends, absolument. Je peux on, loin, est, on est tous sur cette ligne très mince qu'on marche tout le temps un peu. Mais c'est juste que... Oui, oui <laughs> ouais, non, en plus, les rabais, tu me connais. Là, c est, c est... Si tu veux parler, tu peux parler dans le micro en passant aussi. Euh, okay. Mais c'est... Euh... Comme ça, j'explique au, au tech. <laughs> que je le... m'excuse, Mais c'est... Euh... Non, c'est ça, c'est juste parce que moi, j'ai pris pour acquis quelque chose. Péjorativement, puis finalement, ça s'est mieux passé que je pensais, puis je le paye tout en euh, retirant des bénéfices de ça. C'est que moi, je fais tout le temps minimum 10 projets par année, puis généralement, il y en a 3 qui décollent. Mm -hmm. Tout le temps, comme 3 qui vont coller au moins, puis ce ouais. ça mais cette année, j'en ai 7. J'avais vraiment vrai, pas prévu avoir le temps de faire cette affaire, mais ah genre ouais. comme on m'a dit oui pour la plupart des affaires, puis je trouve ça intéressant parce que littéralement le refus, non seulement, je pense que j'apprends à l'accepter, puis c'est utile très très souvent. Ah, il faut parce qu'il va en avoir, hein. ça fait il y en plus, non, tout le monde on, tout le monde, on passe par là. Mais en plus, on continue part... de passer par là. Mais ça... on, on va toujours passer <laughs> par là. Mais ça fait partie de ma mécanique de production, littéralement de prendre pour acquis probablement qu'on me disait non. Mais je te comprends. Euh, moi aussi, j'ai je prends beaucoup, beaucoup de, tu lances beaucoup de lignes à l'eau en espérant prendre une coupe de poisson. tu sais. Ce ouais. qui arrive, c'est que dans une année comme cette année où le travail prend toute la place à cause que la COVID fait qu'on ne peut pas avoir de, de vie sociale-ish, oui. commence. Là, ça fait que le travail prend toute la place. Ça fait, fait qu'il y a plus de projets, oui. plus d'affaires. puis Tout le monde travaille tout le temps. Ça fait que là, tu te retrouves à oui, justement trois ou quatre projets. Mais là, tu es comme OK, ben je suis sur sept affaires. Oui. Ça, c'est fou en plus parce que tous les deux, on fait des métiers que, genre, au lieu de ralentir à la COVID, ça a juste explosé. Mmh. Non, ça, ça explose. puis Honnêtement, j'ai jamais eu autant de conversations de burn-out de toute ma vie que depuis le début du mois de septembre. Comme on dirait que tout le monde avec qui je parle est brûlé de la job, puis juste un peu tanné. puis tu t'as dit ça, puis je suis Hey, mais moi, moi je suis pas loin de ça aussi. là. Ouais. » J'ai eu trop d'affaires back-à-back, pis t'es juste comme, let's go, let's go, let's go, go j'ai des suivis, j'ai des tournages, j'ai un suivi de colo, j'ai un mix. là, faut que je travaille un dépôt. Non, c'est moi, patient. Oui, non, c'est fou, là. c'est comme un. un, un puis pourtant, on fait je, tout ce qu'on veut faire. C'est ce qui oui, fait top, est top, On se plaint. Moi, je me plains, le vent tu parles plein, mais en même temps, c'est juste comme, ben là, faut. Je mes affaires, mon Ouais. Mais euh, l'expression, genre, on se plaint de vendre plein, ben, bah, des fois, t'as mal au ventre, des fois, tu dégueules parce que t'es stressé, puis ouais, t'as mal au ventre. Puis comme c'est ça, tu as, as trop mangé, <rér> Mais tu sais, genre, moi, c'est mon rêve, c'est mon rêve depuis littéralement 15 ans, genre, <rérinaire> comme depuis un film qu'on a vu tous les deux, que j'ai vu, Metal, a Headbanger Journey, que je veux faire un documentaire, moi, dans la vie. Puis là, c'est ça qui se passe, puis ça se passe bien, Colin Dubin. Mais est-ce que je à bout, puis comme j'ai Christmas à Noël pour dormir littéralement genre ouais, comme c'est ah hein? ouais, non, non moi <laughs> aussi c'est pour de vrai il y a un quatre jours je sais que j'ai rien là, genre puis comme ouais, ouais. C est, c est, ce sera ça mais c'est fou là sais, gens comme c'est des super bonnes années aujourd'hui j'ai trouvé une commandite pour une de mes soirées d'humour non mais il y, y a plein de belles affaires jusque quand t'es trop tu sais c'est ça c'est ouais. le vent plein c'est ça mais j'ai pas vu c'est le fun t es, t es, t es, ça, ça prend vraiment un équilibre dans sa femme, parce que tu travailles trop ouais. si tu es juste dans faire d'affaires tu t'as pas de recul tu ne vois plus personne tu es ouais. juste dans le job sans arrêt ben tu t'en rends pas compte au début, puis tu vas avoir des belles journées pareilles, puis ouais. ça va être le fun, mais à un moment donné, tu vas juste avoir une couple de jours off là, puis tu vas le savoir là, que t'es brûlé, là, ton cœur ouais. va faire genre Yo, t'as pas, pas 19 ans. Là, non, pas. Non. Pis, non, non, pas en tout cas. Je te ça, puis j'ai 28, je suis jeune. Oui, euh, non, je non, bouge, elle vit pas bien, ma santé est supposée être. Elle, mon corps n'est pas supposé avoir mal de même. Ouais, mais tu sais, genre, comme ça rajeunit pas personne les vies qu'on a choisies non plus. Je pense que c'est toi qui avait dit ça en comptant Vincent Biron l'autre fois, mais qui avait dit on vit des vies rêvées. Des vies enchantées. Des visées enchantées. <laughs> effectivement, c'est. C'est euh, vrai? J'aime beaucoup l'expression parce que d'un oui, côté, c'est enchanté, il y a des miracles, il y a des petites belles affaires, c'est inexplicable, tout ce qu'on fait au quotidien. Ben oui. Moi, j'en parlais avec Josiane Aubuchon, qui est une dame que j'adore. Je te, je te recommanderais d'ailleurs, puis elle ne me l'a pas demandé, je, je, je le fais. Euh, C'était capable de la mettre dans un court métrage, personnage super payant, super intéressant. Ben je vois son nom passer souvent, je la connais très peu, mais je vais je explorer. Sûr. Génial. Tu l'aimerais beaucoup aussi, une bonne l'anneau d'oise. T'écoutes épisode de 3 bières où on parle des sectes de la nausière. par C est, c est, euh, je suis content en plus parce que, genre, il n'y aurait pas de d'un pool de trois bières comme un des meilleurs épisodes de tous les temps. C'est juste que personne ne se connaît mon nom. c'est tout le temps l'épisode. Ouais, l'épisode avec Josiane, où on parle des sectes? Puis moi, genre, je fais juste parler des parents de mes amis qui faisaient partie des sectes. Genre, c'est juste comme, c'est moi l'expert en secte! <laughs> c'est Elle, à, a, elle prenez mon nom. Elle a volé ton cloud de sectes. Oui. <laughs> mais euh, voyons, bon, je j'ai perdu mon idée. Mais voyons ce que c'est que Josiane a disait à propos de Crimbin. Excusez, j'ai... Il faut vivre. Oui, au les Max. <laughs> les euh, oui, non, non, c'est ça par rapport C'est au... ça qu'elle disait? Non, elle parlait des visages chantés, puis je trouve ça drôle en plus, parce que comme elle vient de la nausière, toute sa famille a perdu des membres tellement, genre comme les bandits, les affaires, on se blesse tout le temps la nausière. ok, des membres, Oui, exactement, des petits bouts de, cool, de doigts. C'est pas bien je grave. Je pensais des membres de, de leur famille, c'est tout aussi drôle Ah, là. aussi, c'est destiné à ouais. arriver éventuellement. Là. <laughs> des membres de la sec quoi. Non, mais là, style. plus d'un point de vue mais. Mais là, on sacrifierait quoi au Dieu soleil hier? Ouais, non, mais c'est bon que toute sa famille a perdu des. Mais c'est moi aussi, la nausière. En tout cas, bref, mais c'est c'est. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu'elle me disait? Euh... Caroline, euh, je l'ai perdu. L'habit le... la n'a fait pas le moi. Ce pas le... Non, c'était pas une expression. c'était juste des visages <laughs> enchantés. Oui, 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 non, absolument, c'est ça. C'est que d'un côté, en fait, euh, oui, on en parlait. Puis on parlait du fait que faut tirer une satisfaction de faire ce métier-là tous les jours. Ouais. Puis moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années. C'est tu sais, des fois j'entends du monde, puis Rivard m'a dit, change d'amis tabarnak ». Mais euh, des fois euh, j'entends du monde des humoristes dire, moi je me donne 4 ans à faire un galop sportif. Non genre je me tire une balle dans la tête. Ouais, que, c est... C est, de un c'est un peu extrême. Pour, je pourrais les bouquer dans mon show Imo, mais ça c'est un mm -hmm. autre débat. Euh, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est au lieu de me voir quatre ans dans le futur, je me vois quatre ans dans le passé. À savoir comme tu sais moi il y a quatre ans, je vendais des cellulaires. Et jaillit les et je cellulaires. Je m'en ennuie, ça pas non non, <laughs> non, 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 jaillit les cellulaires, jaillit ça pour mourir. <laughs> non, 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 pour de vrai, je travaillais dans un poster pendant si longtemps, je détestais ça ben du ouais. début à la fin. Puis, vous savez, moi, je viens de, de milieux où ce que je connais tellement de monde que, genre, de la première journée de leur carrière jusqu'à la première journée de leur retraite, qui ont détesté toute leur chef de travail du début à la fin. Puis, je pense que c'est important. Le point que tu soulèves, mm -hmm. j'écoutais un podcast récemment avec le chanteur de inti flag qui parlait hein? de, de leur objectif dans leur carrière. Puis, Comment eux, ils avaient dressé ça un peu, puis ils disaient, oui, dans la liste, il y avait genre vendre mmh. un million d'albums. Oui. Mais la liste était pas juste ça. La liste, il y avait aussi beaucoup d'affaires concrètes, là, oui. Atteignables, puis qui vont atteindre. Comme ça, quand tu regardes ta liste d'objectifs, mmh. tu pas genre. d'un un échec, tu sais. Oui. C'est comme. C'est sûr que si tu dis, ah, ben, tu sais, moi, c'est comme si je me disais, voilà à la canne. Oui. Tu sais, ben, ça va. C'est super tough à la canne, nest c'est pas. Oui. Ce pas, pas simple. Ça, ça change si je, me je peux pas me mettre juste ça. Alors que tu sais, des fois, tu prends il y a plein d'affaires, il y a plein de petites étapes et plein de belles étapes qui, qui sont réussies. Absolument. Après, euh, il y a tellement d'aspects dans un parcours artistique que tu contrôles pas mm -hmm. qu'il faut que tu mettes des objectifs que tu peux atteindre qui sont réalisables puis qui sont, que justement, qu'il y a une certaine logique que tu peux atteindre ça. Parce que peux, mm -hmm. genre, ça ne relève pas d'un peu genre de... Au shit du jour au lendemain, ça a explosé même explosé. C'est pas des objectifs à se donner. Mais c'est ça. Oui, oui, absolument. De un, moi, j'ai des rêves très réalisables. D'ailleurs, c'est niaux, mais j'en réalise un dans deux semaines. Je vais jouer au brouhaha Rosemont. C'est un bon rêve réalisable. Non, mais je l'ai déjà fait en l'autoproduction, mais là, je suis bouqué ça soit régulière, c'est une soirée qui est quand même mythique depuis très longtemps. J'ai ri, mais c'est vrai que c'est le genre d'objectif qu'il faut se donner. C'est les évoluer de même. Mais c'est pour ça que je préfère avoir dans quatre ans, c'est pour ça que je reviens au parallèle des vies enchantées. Ma vie fait aucun sens. Ça n'a ça aucun sens mon <laughs> quotidien pour de vrai, genre, mais en même temps, ça a tellement quelque chose de fascinant. Genre, d'un côté, non, je n'ai pas un standing ovation devant 5000 personnes là. C'est pas ça ma vie tout le temps. Mais, mais j'aime ça de jaser puis j'ai un salaire en ce moment pour le faire. Genre, ah, oui? littéralement, j'ai du matériel et un salaire horaire pour jaser avec Alec Pronovo. Je serais faire un documentaire, ce que oh, je voulais là. faire depuis longtemps. Non, mais est... Il est payé pour me parler. Non, mais <laughs> je, vend... je vendais des selves là, 4 ans, genre, Moi, Non, mais c'est vrai que des fois c'est important ce petit step back-là de juste comme hey, ah oui c'est des fois des, des des contrats qui sont top. Hein? Et des fois mais il y a des tournages là, que ça, ça me brûle là, je, je suis allé j'étais te ça tour, mais en même temps ça ça fucking relax j'étais hein? payé puis je réalisais tu sais faut feed off du bon côté mais des fois c'est les c'est sur des plateaux là, je me rends compte cette semaine je tournais à un épisode de, de Club Solid, tu j'étais un hein? peu brûlé puis j'avais comme pas le goût d'aller travailler hein? j'étais comme hey, j'ai pas le goût de shooter là, ça me demande tellement d'énergie puis J'étais arrivé là, tout le monde était bon verre, ouais, c'est tellement le fun, j'ai reçu tellement d'énergie positive, c'était super casual, le monde n'était pas ouais, « ah, ça ouais. c'était juste, juste le fun, avant j'étais était bonne, puis je passais là, je passais là, il faut la bonne humeur, il faut ouais. l'énergie, j'avais le goût de faire quoi, tu sais, il faut, faut savourer ça, puis il faut s'ouvrir à ça, il ne faut pas toujours être ouais. genre « non, Non, c'est ça, mais c'est… Mais pour venir, en fait, encore une fois aux vies enchantées, dans les vies enchantées, il y a aussi des dragons, puis c'est épuisant de se battre contre ça. Et honnêtement, on a clairement hypothéqué 20 ans de nos vies. On aurait vécu 20 ans plus vieux si on avait fait quelques autres métiers que ça. Genre, c'est très, très clair. Ça ne nous rajeunit pas, ces jobs-là, nécessairement, mais c'est les jobs qu'on voulait faire. Puis moi, une affaire que, que j'apprécie, puis je trouve ça non, j'ai l'impression, ben, par rapport à tout ce que tu viens de me dire, que c'est un peu ça aussi, c'est... Euh, L'autoprod, puis oui, c'est Pro Autoprod, c'est auto euh, <laughs> un podcast sur l'autoproduction. J'imagine. C'est un podcast sur l'autoproduction contre. C'est qu'il a fallu y croire à ce moment-là. Genre, il a fallu y croire à maintenant le fait que, genre là, on a envie, gens comme ouais. on a un contrôle sur ce qui se passe, on a nos repères par rapport à c'est quoi cette vie enchantée-là. Ben, c'est juste d'y croire, c'est de, de travailler sur, sur, sur ces trucs, puis de parler de l'autoproduction, mais c'est. T'acquiert aussi des connaissances. Puis il y avait euh, un, bon, un, un bon moment que j'ai eu avec M. Arnaud Soli oui. avait, euh, au début de nos carrières respectives. Mm -hmm. J'avais fait des sketchs avec lui en 2016. Il commençait à faire du stand-up. Ouais. Euh, tout le monde s'en foutait. Oui. À ce moment-là. Mais il, La très courte période où on s'est foutu d'Arnaud Soli. Non, ça n'a pas été long. Fascinant. Ça n'a pas été long. Mais en tout cas, il. il elle faisait un sketch, on, on vient à part sur Saint-Denis, une affaire avec 4-5 colocs, là, un petit bureau de merde, là, puis on monte ouais. euh, les capsules, tout. Puis, on, va on va fumer une clope en avant. Il y a Christophe qui avait fait l'adopé les, les des sketches, évidemment. Puis Arnaud, puis on fume en avant. C'est aussi là que j'ai compris qu'Arnaud, ça allait marcher. Ouais. Puis il nous a inclus là-dedans, mais il, il, il fumait puis il a dit On va marcher, les gars. On va marcher nos affaires. Il dit Je sais pas, je vous aller, je me vois aller dans oh. ce projet-là. Il dit Je sais pas, ça va marcher, les gars. T'inquiète ou pas? Puis il a fini sa clope, on est allé finir le sketch. C'est vraiment une petite imitation un, d'Arnaud en plus. Un euh. peu plus. Non, mais c'était vraiment ça. Puis ça avait fou marqué parce que, tu sais, c'était super fin aussi qu'ils nous le disent, à nous, qui n'étaient pas juste. Pfff, mode big c'était pas ça c'était pas du tout ça la vibe t'sais. au contraire c'était juste quand tu comme... un bel avenir c'est toujours nice dans le monde autour de la table non mais c'était comme c'était juste c'était pas venteur c'était pas rien c'était juste groundé c'était juste comme non mais on travaille de la bonne façon je, je, vois, je vois pas pourquoi c'était comme rassurant ben dis ça pis, euh... là j'ai la chance de, de travailler avec lui sur son émission t'sais, pis... oui c'est encore un projet pour quelqu'un que je fais mais c'est tellement, tellement agréable c'est tellement cool pis je trouve qu'il y a un beau lien avec ce moment-là sur cet appart de merde sur Saint-Denis, alors qu'on montait trois sketchs super niaiseux. Je trouve ça drôle, un appart de merde sur Saint-Denis. Saint-Denis haut. Ah, OK. Mais vu le risque, c'était bien correct, dans le fond. Mais juste parce que. Non, c'était C'était quand même un peu crappy. C'était quand même un peu crappy. Mais c'était pas. L'enfer, surtout. J'ai je, 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 déjà habité dans un appart sur Saint-Denis. Deux appart sur Saint-Denis. Un gâteau au hein? plafond. Oui, oui, effectivement. C'était des punaises de lit, ça se peut que. Non, on n'avait pas de punaises de lit. Non, non, ça, non, ça, non ça. je sais. Ben, nous, oui, une fois. Ah, puis, ils ont juste comme. Euh, les propriétaires, c'est pas les genres de comme, OK, ben, on va agir maintenant. C'est plus, on ouais. va agir jamais. Puis, attendre que vous ouais, Nous, c'était ça aussi. Les, genre, moi, j'avais comme deux mi minuscules pièces dans le fond, dans ouais. ma chambre, genre, juste la place de mon lit, puis un bureau. Puis, dans mon bureau, à juste mis comme couler du fond mais genre de la terre je comprends pas te coulé, coulé, la terre il pas de ça ouais couler de la terre vous voyez c'est c'est ouais, tout puis ça a pris comme deux mois je suis un gars qui est venu faire un trou c'est ouais, comme un petit problème d'eau okay, pourquoi c'était comme la terre au début je pensais que c'était de la merde ben franchement une chance c'était pas ça en tout cas sais, ce genre d'appart, pas une grosse, on va pas faire une grosse aparté là-dessus mais oui oui effectivement tout ça pour euh, dire, une aparté d'appart euh. c'est juste tu sais il y a comme un il y avait tout inspirant <laughs> dans... Arnaud, à quel point il était rassurant de ça. Oui. Parce que c'était pas comme... Tu sais, par, en disant ça, il disait pas comme... Lui, ce qu'il disait, c'était pas je « vais, Je vais remplir... Je vais remplir toutes mes salles, je vais avoir la plus belle carrière. » c'était pas la plus grosse... C'était juste comme... Ça, 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 ça va marcher. J'y crois que je peux vivre de ça puis je peux avoir une carrière hein? qui me plaît. C'était ça, ça vibe un peu. Puis parce que c'était comme il sentait qu'il faisait les étapes pour... Puis que, puis il y avait des justement de, qui groundait de genre hey, « C'est vrai, on travail... On travaille dans la bonne direction. C'est simple de même. C'est... Euh... Caroline. Euh, je pense qu'on va... Euh, ben, je vais revenir là-dessus parce que t'as un peu résumé le, le cœur du documentaire avec cette anecdote-là. Arnaud. Fait que c'est charmant. Oui. <laughs> c'est une grande attirance pour l'humain que tu es. Mais c'est... T'as euh, franchi ma soeur il voilà, 20 ans. Mais Arnaud, ça. <laughs> oui, Arnaud. Ouais, Arnaud je non, pas toi. Arnaud, pas, pas non, tout. Ali Picard. À, à 8 ans. À 8 ans, j'ai fait ta sœur. Mais c'est. Euh, en tout cas, l'impro. Mais c'est. <laughs> non, mais c'est. Parce que moi, c'est un peu ça le point. J'en parlais avec Stéphanie tout à l'heure, en fait, aussi. Puis, comme. La célébrité, là, être connu, puis tout, c'est un effet secondaire de faire le métier qu'on aime. T'sais. Ben, t'sais, ben, ben, moi, je n'ai pas, 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 pas connu, là. Puis, il n'y a pas beaucoup de rasateurs connus, puis c'est correct de même. Puis, je pense que ouais. c'est un. Ça doit rendre un peu dingue d'être connu. J'ai l'impression. Je pense que c'est ta volonté et ton objectif principal parce que c'est ça l'affaire. Arnaud qui est comme genre ça va bien aller nos affaires. Puis moi je trouve c'est pour ça que je crois en l'autoproduction. C'est pour ça qu'on fait le documentaire. C'est pour ça c'est si tu travailles assez bien, assez ouais. intelligemment, puis si tu travailles assez fort aussi, t'as pas besoin que les gens croient en toi. Tu peux croire en toi. Tu peux auto croire en toi. Peu auto-croire en toi. Exactement, genre. Ça vrai. peut faire qu'au final, tu vas être capable d'en vivre. Tu ne seras pas nécessairement riche. Puis oui, ça va être tough, avoir un paquet d'affaires, mais tu sais, au bout du compte, je trouve ça vraiment le fun qui vous donné le temps d'une clope Arnaud, avec un musico-conversation avec vous autres de genre. Ça va bien aller. Ouais, c'était comme c'était un beau moment là, tu sais. Un petit après-midi gris euh, d'automne en train de monter, genre. puis C'était juste comme. Ça a OK, bien ben. Été. Ok, man. Puis là, t'avais tout. T'as raison. <laughs> J'habite dans Rosemont. Grâce à Arnaud. Non, non. Oui. <laughs> non mais, euh, mais non, en effet, il y a, y a de quoi de, de super cool là-dedans. Puis c'est juste, est des, y a plein de petits moments de même que tu fais comme. Mm -hmm. C'est juste un peu d'y aller. Parce que c'est pas. Des fois, ça fait peur. Évidemment, ça fait peur. Puis évidemment, il va y avoir plein d'échecs, plein de déceptions puis plein de frustrations. Mais il y a aussi tellement de moments de fun. il y a tellement de trucs de concrets dans ce milieu-là. De, de, de genre. Des fois, c'est juste trippant. Puis tu oui. sens. Des fois, tu. Tu connectes avec ce moment-là où, genre, hein? ça marche, c'est le fun, tu sais. Ça veut pas dire qu'à cause de ce moment-là, mm -hmm. tout le reste, c'est juste comme, pfff, dérouler le grand tapis. C'est juste comme, il c'est sûr, moi, j'essaie d'avoir sur, 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 sur des sets, puis des fois c'est en montage, quand a, des fois c'est en écriture, le moment où tu es, genre, Yes, sir. Hein? C'est genre, Ah, ça, c'est bon. Tu sais, quand tu places une scène sur un set, puis il y a quelqu'un qui a une idée, plus on pense là-dessus, plus là, on trouve de quoi qui nous fait fucking rire. Ça, c'est gold. C'est tellement précieux. Là. <laughs> c est, c est, non, mais c'est ça. C est, c est, c est cette anecdote-là, c'est. Des fois, c'est en, en brainstorm. Puis, comme on fait ça, ouais, en fait? C'est ces moments-là. Après, tu brainstorm un projet, tu trouves ça hilarant, tu trouves ça super pertinent. Personne n'en veut. Ça peut. Mais le moment de ça, c'est pour ça, en fait. Ouais. C'est pour le faire qu'on le fait. C'est pour le faire. Pour faire on les fait. affaires qu'on fait les affaires. Oui, je pense. C est, c est, ben En fait, je reviens à, à ça. J'ai je, je pas rebondi là-dessus. C'est ironique parce que moi, j'ai été en Europe, mais aussi, j'ai vraiment trippé sur ton exemple de. Au lieu d'aller en voyage, tu as fait un film. Ouais, c'est assez J'ai l'impression que c'est un peu privilégié mon exemple. Genre, au lieu d'aller en Europe, moi, j'ai décidé de faire un film. T'sais. Je ne l'ai pas eu facile. Mais, non, pas, pas tant, mais je veux dire, tu as l'équivalent des gens qui se construisent une maison ou des ben gens plus ça, qui plus Tes économies, au lieu de les mettre de côté, au lieu de payer un voyage, au lieu de payer un char, à ce moment-là, dans ma jeune vie, avec le peu d'argent que j'avais. C'était, tu casses ta tirer puis tu là. Puis pour moi, c'était comme, le monde comme, Ah oui, mais t'sais, tu sais, il y a beaucoup de gens pour qui c'était un peu wack. Oui. que je fasse ça en même temps, c'était comme, mais moi, ça me fait plaisir de dépenser cet argent, il n'y a pas de problème. Je pourrais vider mon. Ben, je l'ai fait, chemin mais je pourrais me, me mettre pauvre parce oui. que ça me dérange pas d'investir dans ça parce que j'investis dans, dans moi, quelque part. J'investis dans quelque chose auquel je crois. J'investis dans, dans Richard Superstar ou j'investis dans Tony Speed ou G-Boys. Je m'en fous. J ai, j ai... Pour moi, c'est. C'est des, des trucs vraiment importants pour moi, c est, c est, ces courts métrages là aussi niaiseux soit-il, aussi, aussi autant de succès ou pas de succès qu'ils ont, pour moi, sont importants ils font partie de, de mon chemin de croix. Allez. <rire> <rire> Alex, ça a été un plaisir de te recevoir. Ben, euh, c'est vraiment là, tout le tout plaisir est partagé, oh, dit est le de partager. Oui, c'est le fun de c'est Je voulais le demander, en fait, parce qu'on ne voit pas des tonnes de réalisateurs. T'aurais-tu des conseils à donner en termes d'autoproduction? En ouais, ouais. termes d'autoproduction, ok, ok, attends. Je vais réfléchir, je vais dire des affaires okay. moi, moi, moi. comme ouais, non, ça. J'ai comme l'occasion d'être pertinent. Oui, non, c'est ça. C'était ça l'adresse <laughs> au peuple. Là, que, ben, bien, euh... s'entourer, c'est sûr. Bien mm. s'entourer, dans le sens d'avoir une équipe avec laquelle tu t'entends bien, une équipe avec qui tu crois, puis qui, 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 qui croit aussi au projet, de, le, de trouver une façon que ce soit vraiment une collaboration, que ce soit pas juste ton affaire à toi, mon bébé. À moi. Tu es sais, l'ego définitivement dans l'autoproduction. Mm. C'est vraiment essentiel. Puis d'impliquer les gens dans le processus, de les faire sentir qu'ils font partie du truc. puis Pas juste leur faire sentir. Ouais. Qu'il fasse partie du truc. Puis, euh, je pense évidemment de bien gérer l'argent. <laughs> de bien gérer l'argent, mais de pas non plus euh, de pas être gratis non plus, en quelque part. Non, ouais, je comprends. Je sais pas. Je sais pas. Après ça, ça dépend de toutes les styles de production. Puis tout, j'ai pas, pas, pas de méthode clé, mais tu sais, des fois, il y a des trucs qu'il faut que tu investisses dessus. Puis ça va faire partie de la patente. Puis. C'est correct, là. Mm -hmm. Des fois, c'est bien. tu as payé un illustrateur super bon pour faire ton affiche, puis ça t'a coûté 350$, mais t'as fait un deal puis Mais là, tu sais, si tu y crois à cette affaire-là. as je besoin de la bonne lens, Mais ben, pourquoi pas y aller, tu rendu là. Le, je le renommerai pas parce qu'on en a parlé plus tôt, mais le film en question qui n'était pas bon finalement. Euh, son poster. Ouais. Personne ne va voir le film juste à cause du poster. Mais, mais en <laughs> il y aurait une affaire à faire sur les, les posters. En général, c'est vraiment une belle affaire, les posters. Oui. Le, le artwork, en général, d'une œuvre est tellement, tellement important, mm -hmm. selon moi. T'sais. Moi, c'est un de mes bouts préférés aussi dans la, la conception d'un film. ou Surtout quand c'est autoproduit, parce que je peux faire 100 ce que je veux. Oui. C'est là que c'est le fun. Comme, euh, la fiche de Boss, c'est celle que j'aime le plus, que j'ai eu la chance de, de faire. C'était juste comme... Hey, les vieux dessins super intenses, de genre Push Head puis ces affaires-là. Je veux de quoi de même, quasiment... Babys and Butthead, un gros dessin, c'est Jeep Boy, c'est une comédie niaiseuse quasiment grasse. Fait que ça. Non, mais tu sais, je fais ça. Pas sûr que tu vas broyer, mais Maestro, c'est trop, mais il y a de quoi de touchant quand même. Je sais que je te l'ai mal vendu, mais moi je pense que c'est bon. Je broye pas souvent en écoutant tes affaires. Je te le gâcherai pas, mais je sais pas, Jeep. Jeep Boy s'est venu me chercher, mais c'est. je suis content parce que moi je trouvais qu'il y avait un beau cœur, ce film-là. Je pense que dans Maestro, il y a un cœur similaire aussi. Juste que le personnage est plus. C'est plus un personnage qui se met dans marde puis qu que t'es juste genre quel okay, style d'abruti tu sais mm -hmm. ça il y a pas d'allure tu sais oh, c'est nice. aussi on rit un peu de ça bref je pense pour le public de pas je pense que ça va ça va bien marcher très haute mais euh, non ouais, peut-être un petit dernier conseil Les, le casting le casting tellement important de, 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 de caster des gens qui croient au projet puis qui sont qui sont volontaires d'être là puis que tu crois en eux parce que en autoproduction justement tu auras pas tu seras pas imposé personne au casting tu sais fait que euh, puis on a la chance d'être au Québec où c'est tout le monde pourrait dire oui. Ouais. Écoute, il y en a que ce n'est pas réaliste. Pis... Mais honnêtement, tu sais jamais. T'sais. Non, non, c'est ça. La, la... Tu sais jamais, il y en a des, t'sais, la quantité de... Speed, de... Là, t'sais, euh, on speed, là, tu sais, je n'étais vraiment pas euh, connu dans le milieu, là, puis tout, là, tu sais, c'est un but, là, puis Pierre Brassard, il avait, avait dit oui parce que, écoute, c'était... Parce que ça avait fait, le temps Il connaissait la mère, Christophe. C'est pour ça. C'est drôle. Puis il était oui. comme, ah, c'est cool. Puis il a fait, ah, David, puis Rosalie sont là. Ah oui, ils sont, sont le fun, eux. Puis là, il faut un beau, un bel avant-midi. Puis tu es comme, hein, anytime. Tu sais. Puis tu es genre, ben, c'est cool. Des fois, on avait besoin de quelqu'un qui a le bon CV ou, tu sais, justement, sur Piscine Pro que j'ai fait, qui est mon prochain court-métrage, que j'ai fait, euh, que Olivier Picard était assistant au décor. Let's go <laughs> puis, euh, Et figurant aussi. Hmm. Je pourrais vous dire. À 6,30. Génial. La, avec des spaghettis de piscine. Mais, ça, ça, dire? Que ça me fascine, à quel point je reconnais <laughs> tous tes figurants tout le temps. Là, ouais, genre ça, comme, à un, un j'ai vu clairement que tu avais manqué de figurants, puis la styliste était là, puis je suis juste comme. BAU! Bon. Oh, <laughs> ça n'arrive jamais. Oh, mais non, non, elle mais tu de... vois, ça c'est un autre, un autre bel exemple. Dans G-Boy, c'était Peter Miller, qu'on a envoyé le scénario à son agent, puis c'était comme. Ah, je ne suis pas sûr que ça marche. Mais il a quand même forwardé à Peter, qu'il l'a lu, puis il était genre. J'adore cette affaire-là. Je veux absolument jouer dedans. Puis le gars, l'agent il me recontacte et il dit Hey, voulez-vous encore de Peter On est genre, ben, certain qu'on est Peter Miller. C'est lui, c'était lui notre choix number one. C'est ce qu'il faudrait, là. C'est juste comme, lui, il a trippé ce scénario puis il est down, là, tu sais. Puis on a un cachet symbolique. Puis. Excuse-moi, c'est le pote culture, mais c'est qui Peter Miller puis il jouait qui Peter Miller dans G-Buzz, il fait Cormac de Cormac. Oh oui Il jouait dans Fortier, il joue dans District 31, il joue dans. Elle était 5, il faisait le méchant. C'est drôle parce que, genre, moi, je pensais. Que c'était Maybe Watson, première fois que j'ai vu Quoi? J J'étais quand même vraiment contact que ce soit pas lui, finalement. Mais <laughs> il s'en sent pas, me semble. Ben, t'as encore drôle. En tout cas, es c'est. Ouais, il, il y a toujours possibilité de, de, de que les, gens les beaux yeux sont. Mais tout ça pour dire dans, dans Piscine Pro, je voulais, voulais vraiment. Je voulais vraiment Alexis Martin ouais. pour un rôle, tu sais, le rôle du gérant de la place. Puis parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Alexis Martin. Je trouve que c'est vraiment un de nos comédiens comiques mm. les plus précieux au Québec. celui que j'aime le plus croiser au théâtre. Mais, mais bien, il est vraiment, vraiment bon. Puis il il y a vraiment un range incroyable en tout cas bref puis j'osais comme pas le demander à son agente, parce que c'est l'agence aussi de mon ami Daphné Côté ta fait que mm. je, je l'ai pas comme souvent on dirait puis ils sont, sont hein. super smart puis là j'ai comme demandé pour un autre, un autre acteur tu sais ils sont comme ah ça marche pas pour les dates mais as-tu pensé hein. as-tu pensé à, à Alexis Martin tu sais oh, vous êtes down de, de demander pour faire mon short tu ou plus ils sont comme ben, ouais. Il les dates les dates marchent à moitié parce que le samedi que j'ai besoin de lui L'après-midi, c'est la fête à son gars, tu puis il genre, pis il nous dit "Ah, ça peut -tu, euh, tu je peux-tu être là juste le matin cette journée-là Ah, tu vas venir tu vas prendre ton matin de la fête à ton gars pour venir à Belleuil tourner mon commentaire de piscine." Non, oh, mais mm. T'es fin, tu t'es fin. » Puis il est venu sur set, puis il est venu pour une bouteille de vin là, tu sais. Il est venu pour une bouteille de vin deux, deux jours, tu puis il m'a juste dit "Ben, j'ai lu l'affaire." J'étais comme ce gars-là il s'est écrit. Je trouve ça, ça le fun, j'avais le goût euh, j'avais le goût, j'avais le temps, Et... oui. vie Enchanté, enchanté, enchanté. Alex Martin, c'est le gars qui dit MRK. Ah, c'est Sacré, les boys 3. les boys 3. <laughs> le mais meilleur. C'est ça pour dire. Moi j'adore les boys 3. pas moi pas là-dessus, j'adore absolument. 3. Ben c'est en tout cas, j'adore les boys. 1, 2. Ben, ouais. Je te de quoi après là, mais c'est un autre, un autre podcast. Oui, oui, oui absolument. Mais c'est encore une fois, ben, pour la troisième fois, ça a été un plaisir de te recevoir. Félicitations pour Alexis Martin, bien hâte d'écouter ton nouveau court-métrage. Ça trop manqué pas ça, je sais pas quand ça sort. Ben d'ici là. Il va y avoir des trucs sur nouveau. Complètement lissé, je me plug, là, pardon. <laughs> complètement lissé et euh, Le Bœuf Haché ou Le Tempé 2, web-série. Très différent, mais très stupides les deux, dans le meilleur sens du terme. J'ai très hâte à Complètement lissé. Je pense que c'est l'affaire la plus drôle, j'ai Yeah! Je pense, mais ben, c'est vraiment la fin qui déclenche le plus de rire mettons. C'est génial. C'est vraiment stupide. Ben, mais moi, je mais... concepte des traductions au départ, ça me fait capoter. Ah, en fait, ouais. C est, c est, euh... mauvais, mauvais. On l'a doublé. Yeah. C'est tellement de job. C'est drôle. C'est tellement de job, mais qu'est-ce que ça, ça vaut la peine On est en train de repartir sur autre chose. Ouais, genre, ouais, ouais on, peut, on peut s'arrêter euh, euh, Merci Alec Merci à, toi. Merci à vous. Ouais. C'était roulé, mais pas sur l'or. On est sur les plateformes, vous connaissez l'internet, vous savez comment ça marche. Écoutez le documentaire, écoutez les autres épisodes. Ils ouais, sont là, ils existent. Yes. Ciao.